Mais il y a déjà pour nous. Il faut que je suis sûr. Doucement.
Alléluia, alléluia, on s'assoit. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Si un enfant de Dieu qui est dans la joie, lève-toi poliment, gentiment et acclame Jésus. Respecte le Saint-Esprit. Respecte le Saint-Esprit. Acclame Jésus pour ta vie. Acclame Jésus pour ta délivrance. Acclame Jésus pour ta paix, pour ta liberté. Acclame Jésus pour celui qui t'a donné la vie. C'est pour toi et moi, il s'est donné à la croix. Acclame ça parce qu'il a envoyé son nom. Son nom. Lui, c'est lui la même qu'on appelle. Shalom. Peut-être Joël Casseau, tu vas l'acclamer. Parce que ce soir, c'est fini pour les démons. Les démons, tu t'attends. Les démons, tu ne veux pas que tu payes une maison au bled. Les démons, tu ne veux pas que tu sois marié. Les démons, tu ne veux pas que tu rentres dans ta bénédiction. Ce soir, c'est la fin. Dis à ton ami, il faut toucher ton voisin, il faut dire c'est fini pour, les, pour mes ennemis ce soir. Fais un atout, fais un atout, fais un atout, dis c'est fini. Les démons c'est fini parce que mon Dieu m'a envoyé mon Samuel, le prophète Joël Casseau. Fais un atout parce que tu es libéré. Comme ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, c'est la foi qui déplace les montagnes. Amen, amen, amen. Tu vas t'asseoir dans la paix. Tu vas t'asseoir dans la paix. Tu vas t'asseoir dans la paix. Tu vas manger ton gâteau de délivrance, ton gâteau de restauration, ton gâteau de libération. On n'est pas venu au cinéma, on est venu pour prier. Si tu es dans la joie, tu vas écouter ce que Dieu va te dire ce soir. La Bible dit, tous ceux qui sont chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. La même Bible qui m'a envoyé, qui m'a enseigné, c'est cette même Bible qui t'enseigne. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez dans la paix. Amen. Puisse nous arracher à la croix de Golgotha. Amen. C'est pour cela avec la foi. Tu vas te disposer, tu vas fermer les yeux. On va adorer le Seigneur et après on va rentrer dans un moment de combat. Alléluia. Amen. Quand il sera l'heure pour le prophète, tu vas voir que ton bougnon va tomber au nom de Jésus. Ton fardeau sera déchargé parce qu'il est déjà déchargé. Depuis que tu as mis les pieds ici, par la foi, tu es déjà déchargé. Groupe musical, avec amour, paix et joie, j'ai besoin de vous. On va rentrer dans une adoration pour appeler le Saint-Esprit. Celui qui console, celui qui restaure. J'ai besoin de vous. Si à moi, si c'est trois personnes, on va adorer le Seigneur. Parce qu'on va venir au cinéma. On va rentrer dans les anciens adorations. Anciens, comme au blé. On va fermer les yeux. On va appeler le Saint-Esprit. La Bible dit là où il y a deux ou trois. Aussi, Saint-Esprit. Alléluia. Ok. Donc, ok, vous allez vous lever. Vous allez vous lever. Je vais appeler ici le moins de l'Éternel des armées, le prophète Joël Casseau. Vous allez l'acclamer. Et à travers lui, acclamer le Saint-Esprit. Parce qu'il est venu ce soir pour que nos fardeaux tombent. Alléluia, gloire à Dieu, sois béni. Que la grâce infinie de Jésus soit en toi au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Je c'est ma fille, ça. Amen. Ah oui, c'est ma fille. Parce que...
Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Que ton nom seul soit célébré ce soir. Parce que tu es celui que nous sommes venus chercher et trouver. Tu es puissant. Et nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir nous délivrer, nous restaurer. Nous ne sommes pas venus pour une personne. Celui qui peut encore nous délivrer, c'est toi Jésus-Christ. Qui peut encore nous restaurer, c'est toi Jésus-Christ. J'ai besoin que tu m'utilises afin d'apporter quelque chose de plus encore à chacun d'entre nous. À moi d'abord personnellement et à chacun d'entre nous dans cette salle. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. Amen. Alléluia. Je suis très content de vous voir. Oui, aussi. C'est super à Lyon, hein? Pasteur Alvien, c'est ma fille, c'est ma fille de Paris, c'est super. Elle est servante de Dieu, que Dieu te bénisse de l'avoir introduit par rapport à l'événement. C'est pour dire que je n'ai pas de problème avec les gens de Paris, ça c'est bien, vraiment très important. Amen. Je suis là juste pour une invitation par rapport à ceux qui m'ont invité et ceux qui sont là, c'est les gens de Lyon. Vous pouvez être là, venez, je vais vous présenter. Parce que c'est important que je vous présente. Ceux qui m'ont invité pour organiser cette rencontre, Serge, ouais, comme de la caméra, Monsieur Alban, Patricia Kwasi, tout le monde, venez tout le monde, voilà, tout le monde. Patricia Alban, venez tout le monde. Voilà, Madame Kofi, Patricia Alban. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les... Amen. Si je suis là ce soir, c'est parce qu'on m'a adressé une lettre d'invitation. Amen. Et bien sûr, j'ai répondu à lettre d'invitation. Et je pense que depuis que je fais une tournée européenne, c'est, n'est-ce pas, la meilleure organisation. Gloire à Dieu. Ouais, je peux le dire, l'avouer, c'est la meilleure organisation. Parce que quand même, les gens ont pris quand même le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Toutefois, quand j'étais dans d'autres, surtout à Paris, il fallait que le prophète organise. Non, c'est moi qui organisais les choses. Il ne peut pas nier, il ne peut pas le nier. Ça, c'est la vérité. Celui qui le nie, c'est un sorcier. Mais vous savez, j'ai toujours dit la vérité là. Quand tu n'es pas dans la vérité, tu échoues toujours tout ce que tu fais. Il y a d'autres qui ont dit que le prophète Crasso ne mettra jamais pied en Europe. C'est la vérité. Un mois après, je suis arrivé. Je suis arrivé en Espagne, à Madrid. Je vous ai dit, ah, j'étais en congé, je suis parti. Après ça, je me suis retrouvé à l'ONU. J'étais à 9000 vues sur YouTube. Quand les gens commençaient à me vilipender à Paris, je suis arrivé à 15000 vues sur YouTube. En Espagne, depuis une année, j'ai fait 4000 vues. Quand vous parlez mal de quelqu'un qui est dans la vérité, Dieu l'élève. Je suis celui qui manque la sorcellerie. Que vous voulez ou pas, moi, je ne joue pas les sorciers. Mon papa a été de bénisse. Ça, c'est mon papa. Voilà. Un blanc qui est dans notre affaire de sorcellerie. Ça, c'est ma maman, ça. Ouais, c'est une dame très dynamique qui vous reste. Oulala. Moi, j'ai même dit Yako. Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Franchement, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vraiment important de dire merci avant de commencer. Allez vous asseoir. Que l'onction de Dieu vous accompagne. Veuillez vous asseoir tout le monde. Amen. Je ne suis pas l'homme de Dieu le plus loin de la francophonie. Je suis l'homme de Dieu le plus petit de la francophonie, mais que Dieu est spécialisé dans le domaine de la destruction de la sorcellerie. Je préfère. Je suis petit, je ne suis pas grand. Je ne suis pas l'homme le meilleur. Il y en a des pasteurs les plus merveilleux, puissants. Moi, j'apprends toujours, je découvre toujours les onctions que Dieu répand sur la vie des gens. Je n'ose pas dire je suis le meilleur. Non. Je suis le plus petit. J'apprends toujours, mais j'ai une œuvre terrible. J'ai une haine terrible envers les œuvres de la sorcellerie. J'étais étonné et informé le groupe musical que je suis le prophète Crasso. J'aimais bien tout à l'heure pour parler là. Ça c'est mes débuts. Moi je suis au 7e album.
Je suis au septième. Je suis au septième album. Je suis auteur-compositeur. Il y a beaucoup qui ont chanté mes chansons. Les oublements, moi j'ai fait le Zoulou Gospel. J'étais le premier, j'étais le propulseur de Zoulou Gospel. Les Michel Clémé sont venus après. Donc j'ai fait la première édition Zoulou Gospel à Divo. Je suis le premier. Quand j'ai commencé, les gars, vous connaissez, les gens commençaient à parler. Moi j'aime comme les critiques, parce que ça me fait évoluer. Amen. Quand les gens n'arrivent pas à te maîtriser tes critiques, amen. Amen. Quand les gens ne savent pas qui tu es, ils sont obligés de te vilipender. Amen. Mais quand ils te maîtrisent, ils disent, mais quand ils n'arrivent plus à te maîtriser, ils te vilipendent. Et ça, c'est bon. Ça permet à Dieu de te positionner. Amen. Amen. Je suis le premier à commencer le Zoulou Gospel. Le Zoulou Gospel s'est créé en Côte d'Ivoire, précisément dans ma région de Gagnoa. Et puis, c'était d'abord le Wayor. Moi, j'ai fait Ouassu, je suis de cette génération, qui a fait le Ouassu, le Wayor qu'on chantait dans les... C'est que vous savez. Et puis après ça, c'est parti à l'université. Et puis après ça, ils ont créé le concept à l'université. Et c'est pour ça que la plupart des Zougou gospel, le Zougou, c'est toujours embêté. C'est créé à Gagnoa. Le Zougou vient de Gagnoa. C'est créé dans ma région qu'on appelle Gagnoa. Donc je suis le... On a dit gospel. Gospel, c'est-à-dire évangile. Notre Zouglou évangélise les gens. Que mon Dieu. Thank you.
Venez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un morceau très puissant pour moi. Oui, parce que je chante dans ma langue, ma langue maternelle. Le Dieu d'Élie est le Dieu le plus puissant. Ce Dieu-là, il règne sur les œuvres de la sorcellerie. Personne ne peut le vaincre. Il est puissant. Élie est l'âme osée. C'est-à-dire le Dieu est puissant. Vous savez, moi, mon onction, là, ça se réveille quand je chante. Hein? Est-ce qu'on peut essayer un peu de bonjour? Vous avez reçu, vous pouvez là, vous avez très bien reçu ça. Ouais, ça, chapeau. Vous avez. Ouais, chapeau, vous avez. Avec l'accent. Non, l'accent, c'est très bon. Quand je rentre dans la salle, oui, parce que la musique, c'est plus l'accent. J'ai senti que vous avez chanté avec l'accent. Ouais, l'accent. Après, vous pouvez connaître quoi? C'est le seul morceau que vous connaissez sur mon CD. Give me one.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Veuillez vous asseoir. Avoir bougnon, ça veut dire attacher le diable. Bougnon, c'est le diable. Dans ma langue maternelle, bété, bougnon, c'est le diable. Bougnon, le diable. Avoir, ça veut dire attachons le diable. Si vous n'attachez pas, le diable va vous manger. Va manger une bonne sauce de kiti. Un clala. Une pimentée. Kimblé. Tu vas manger un clala. Le diable a besoin d'être lié. C'est l'expression attachée en béthine malade. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Recevez toute la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes là ce soir pour célébrer la victoire de Jésus-Christ sur les œuvres des ténèbres. Amen. Nous aurons l'occasion d'expliquer beaucoup de choses parce que la foi vient de ce qu'on a compris. J'étudie le grec. La foi ne veut pas ce qu'on a, on a attendu. Mais on a compris. C'est différent. Hein? Vous pouvez entendre puis ne pas comprendre. Donc l'erreur vient dans la tradition, la version lui seconde, la foi vient de ce qu'on a, on a entendu. Non, la foi vient de ce qu'on a compris. Quand tu comprends, la foi s'installe. Mais quand tu entends, tu peux entendre le son, ne pas comprendre le son. C'est différent. Donc il y a des choses qu'on a besoin de comprendre comme ça. Ouais, on a besoin de toujours apprendre. La foi vient de ce qu'on a compris. Vous serez le ministère du prophète Crasso. Qu'est-ce qu'il est réellement? Et c'est ça vraiment important. J'ai toujours dit aux gens, celui qui a peur du prophète et ses messages, c'est un sorcier. Oui, c'est un sorcier. Ça, il est déclaré ennemi du diable. Voilà. Maintenant, si tu veux, tu peux texter qui il est, le prophète. Moi, j'aime bien les tests. Parce que je suis dans une zone où m'ont testé pendant 5 ans. Tous ceux qui ont essayé de savoir qui est le prophète Crasso, ils sont tous allés en Mauritanie. La Mauritanie, c'est chez les morts, c'est-à-dire, c'est mort, la peine Mauritanie. C'est pas un béret marron clair. Non, 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 Mauritanie, chez les morts, voilà. Amen. Amen. Je suis très heureux de vous voir. Amen. Je suis à une tournée européenne. Voilà, donc c'est le lancement de cette tournée. Et quand on a une tournée européenne, il faut savoir expliquer les choses. Commencer par quelque part et finir par quelque part. Donc on aura carrément l'occasion de vous expliquer beaucoup de choses, savoir qui est le prophète Crasso, comment fonctionne son ministère et comment il a été converti. Ça c'est vraiment très important. Vous savez, la plupart des gens, les gens ne savent pas qui est le prophète et puis l'erreur c'est qu'il vit bon. Vous ne savez pas qui est quelqu'un, vous parlez mal de lui, sachez déjà, moi déjà quelqu'un qui commence à déjà parler mal de moi, parce que moi j'écoute tout ce que les gens disent de mauvais de moi, qui en bien, qui en mal, moi j'écoute, j'aime tout, j'écoute, parce que je sais qui je suis. C'est pas ce que tu dis que je suis. Je sais qui je suis. Je ne suis pas venu dans le christianisme par hasard. Je suis venu dans le christianisme parce que j'ai été converti. D'abord, je m'ai amené à la chrétienté qui a fait que je suis devenu chrétien. Aller suivre une formation et être un homme de Dieu, malgré que j'ai eu une vocation lors de ma conversion, où Jésus-Christ s'est révélé à moi et m'a dit qui je devais être. Mais ça m'a permis d'aller d'abord faire une formation. Donc, je connais les données, je connais Dieu, parce que la théologie, c'est la connaissance de Dieu. Il faut bien le connaître pour bien le servir. Amen. Amen. Si aujourd'hui, je mets à chanter, je suis chante. Ça va sortir. Sauf ça que, c'est vrai que je ne suis pas venu avec mon groupe musical, mais j'ai rattrapé une musique tout à l'heure que j'avais beaucoup. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Mais pas loin d'ici. Non, ici, c'est mieux. Ah, là, pour les chansons. Ça révèle les choses. Vous allez monter après. Quand il est revenu. Pas moi, du petit contact, ça peut partir. C'est l'intro. L'introduction, on ne parle pas beaucoup, on explique les choses pour que les gens comprennent. Pour que les gens puissent croire en toi, il faut qu'ils savent qui tu es. Ça, c'est vraiment important. Les disciples qui marchaient à Jésus ne savaient pas qui était Jésus.
C'est quand Jésus-Christ a fait la multiplication du vin, transformé l'eau en vin, que les gens ont commencé à savoir, ah, c'est Jésus. Ils ont cru en lui. Il faut savoir expliquer des choses. Amen. Tu n'es pas obligé de croire, moi. D'ailleurs, je ne suis pas venu me vanter. Comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, je ne suis pas l'homme de Dieu le plus puissant de la francophonie. Non, je ne suis pas l'homme de Dieu le plus puissant de l'Afrique. Je ne suis pas l'homme le plus puissant de la planète Terre. Je suis un serviteur de l'Éternel qui a cru en Dieu, qui a eu une vocation de Jésus-Christ et qui le sert. Moi, je sers Jésus. Et c'est avec une fierté que je le sers. Je rends toute la gloire au Seigneur, que je sois encore en Europe et pour une tournée européenne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais retenez cette chose. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il le mandate, c'est-à-dire il le met dans un domaine. Et ça, c'est vraiment très important. Amen. Que vous devez comprendre. Écoutez, Dieu ne fera pas comme nous. Les vieilles anciens, c'est parti. Mm-hmm. Voilà, c'est parti. C'est pour ça que la Bible dit qu'il chantait les cantines nouveaux au Seigneur. C'est pour ça que dans mon église, on écrit, on ne chante plus « Brûlez-moi, brûlez-moi ». C'est les chants qu'on ne chante plus chez moi. Oui, ensemble, louons le Seigneur. Non, chez moi, c'est... Non, je veux montrer aux gens que l'Afrique, on peut chanter Dieu dans nos langues. Amen. Ah ben, oui. Je suis un Africain. C'est pas en français seulement. Les gens nous ont colonisés, on parle même langue pour chanter tout le temps. C'est pour ça qu'il dit, ah, ma paix, ouais. J'ai vu les blancs de danser. Pour dire aux gens, bêtés, là, il s'est converti. La preuve, c'est qu'il pouvait écraser les chrétiens. Pour chanter Dieu dans leur langue. C'est vraiment important. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là pour une seule chose, c'est glorifier le nom du Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas facile d'accéder à Lyon. Et depuis un moment, j'ai commencé, n'est-ce pas, à échanger. Et commencer à voir beaucoup de choses parce qu'en matière de communication, ce n'est pas facile. D'autres personnes viennent de. Je crois que des personnes viennent de Suisse. Il y a des gens qui viennent de Suisse qui sont là. Levez le doigt quand même. Waouh. Les gens de la Suisse. Levez-vous, on va clamer le Seigneur. Les gens qui viennent de la Suisse. Levez-vous simplement. Les gens qui viennent de la Suisse. Waouh. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur? Pour toutes ces délégations qui viennent de la Suisse, qui sont des pêcheurs spécialement. Pour faire ce programme. Voilà, que Dieu bénisse, veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse, je vous aime beaucoup. Elle a su se caractériser par le chocolat, vous savez très bien. Hein? Voilà, que Dieu bénisse. J'aimais beaucoup la Suisse quand je visitais l'année dernière le pays de la Suisse. Que Dieu bénisse. J'ai un très grand message pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quels sont ceux qui viennent de l'Italie? Je vais présenter Armand. Oui, viens, viens. C'est un pasteur. Viens, Armand, viens, s'il te plaît. Je préfère te présenter officiellement devant tout le monde. Viens, que Dieu te bénisse. C'est un homme de Dieu. Ce monsieur, il m'a marqué positivement. Ouais, moi j'aime pas parler des gens comme ça. Si quelqu'un, si je vous dis quelqu'un est bon, il est bon. Ce monsieur, on s'est vu l'année dernière, il me suivait tout le temps. Et on s'est vu l'année dernière à Florence, je crois à Verona. Verona en Italie. Je sais ce qu'il m'a apporté personnellement pour le ministère. Et la toute dernière fois, il venait en Côte d'Ivoire. Vous savez, je vous dis une chose. Si vous n'êtes pas appelé à un ministère, démissionnez. Ça, c'est la vérité. Parce que si Dieu t'a appelé, il t'a appelé à exercer quel ministère et où il aimerait que tu exerces le ministère. Parce que les gens ont tendance à dire, Dieu m'a appelé et puis j'aime les grandes, les bonnes villes, les grandes villes où... Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont héros, qui ont le pain. Nous, on est quelque part. Au village. À 2h15 minutes d'Abidjan. 15 minutes. 2h du temps. 15 minutes d'Abidjan. Et nous sommes là-bas, c'est les. Mais ensemble, bon. Mabé, où on ne chante pas ensemble. Mabé, puis c'est. Les offrandes. Quand vous finissez dimanche, vous avez trop eu, peut-être c'est 2000 francs. Et le fidèle vient te dire, papa, chez moi, il n'y a pas à manger. Non,
chez nous, on marche pour nous. Nous, là-bas, chez nous, il n'y a pas. On marche, on espère marcher. Mais manger, c'est le problème. Donc, tu es obligé d'abord de s'occuper du fidèle. Parce qu'il n'y a pas de prière pour délivrer quelqu'un qui a faim. Tu n'as jamais vu une prière. Ça n'existe pas. Donc, tu regardes, tu sais que la vraie délivrance, c'est de prendre 2000 francs de nos fidèles. Va manger. Et tu regardes les offrandes. Hein? Il te reste 2000. Il y a des factures. Mais gloire à Dieu. Vous savez, ce qui fait vivre un juste, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Quand je bâtissais l'orphelinat de Diffo, je n'ai dit à personne. J'ai commencé à flasher les photos. Les gens voyaient, ils disaient, mais j'ai vu une mes filles qui est venue lorsque l'immigration, elle a pleuré, elle a dit, je pensais que c'était un amusement. J'ai vendu ma X5, ma deuxième voiture, la X5. Vous n'avez pas vu un pasteur qui vend une voiture de luxe qu'on appelle X5 pour aller construire un orphelinat des enfants qui ne sont même pas ses enfants, pour les nourrir. Parce qu'il me fallait 3 millions de francs pour commencer. J'ai vendu ça 4 millions, j'ai pris 3 millions. Et quand je me suis engagé par la foi, 26 millions de francs, on a fini l'orphelinat. Amen. Et monsieur, il est rentré à Divo. D'abord, je connaissais des gens, s'est salué. Je sais ce qui s'est passé entre lui et moi. Cette transaction, on se connaît. Mais il m'a personnellement marqué. Il a offert une moto, scooter, parce qu'on a un pasteur. On a un pasteur, c'est l'église de Zivo, le pasteur Philippe. Il a offert, il le voyait derrière. Ce qui m'a marqué chez lui, quand on traversait, on était dans ma voiture, on partait chez moi à la maison pour qu'il déjeune. Après, il a veillé à Zaroko dans un village à 40 km de Zivo. Il a vu le pasteur sur une scooter, une boîte, une moto. Et ce moment, il a vu le pasteur. Il a dit, mais ça coûte combien la moto? Je lui ai dit, mais. Il a dit, mais j'ai pas assez d'argent. Ben, je pensais que ça coûtait cher. Lui pensait que c'était cher. Et dans la voiture, il dit, c'est que je revienne en vacances pour acheter une moto au pasteur. Quand il a fini de parler, moi je l'ai touché, je lui ai dit, mais c'est rien, c'est 350 000 francs. Il dit, ça fait 700 et quelques, il a calculé. Moi, il ne connaît pas l'euro. Moi, il touche sa pile, il est converti. Amen. Il dit, c'est tout, il dit, si. On est rentré à la maison, il a payé. Le jour où les gens se rencontraient, il y avait une facture. Dieu et mon sait, qu'on s'est rencontrés. Vous savez, il y a des gens que vous rencontrez, vous souriez. Amen. Amen. Lorsque Rebecca a rencontré Isaac, Isaac a souri. Le sourire est revenu. Il pleurait la mort de sa mère. Il pleurait la mort de sa mère. Sarah, il pleurait. Personne ne pouvait le consoler, personne. Lorsqu'il a rencontré cette femme, là, il est rentré dans la chambre. Frère, le sourire est revenu. Parce qu'Isaac fait du sourire. Il y a des gens que vous rencontrez, vous souriez toujours. Amen. Dans leur coup de vie, vous ne les négligez pas. Amen. Quand vous appelle, tu sais que c'est du bon. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est pas parce qu'on est corrompu, mais frère, on fait beaucoup de choses, on aimerait être soutenu. Un moment de notre vie, on a besoin d'être soutenu. Moi, je ne mets pas quelqu'un comme ça en train de filmer. Il est venu, tu es où? Quand je connais, je le connais. Je sais lui et moi ce qui s'est passé. J'avais une petite truc. Et quand celle qui voulait régler pour un échec, j'ai dit, tiens l'argent, parce qu'il y a quelqu'un qui est passé chez moi. Tiens, il fallait régler les choses. Amen. Donc il y a des connexions, il y a des gens, quand tu rencontres, tu souris, ça règle le problème. Amen. Quand lui et moi on s'est rencontrés, il y avait un problème de chaise. Le pasteur Fena a appelé, il y avait un problème de chaise. Voilà, donc on m'a appelé pour dire un problème de chaise, j'avais un problème d'argent à régler. Quand lui et moi on s'est séparés, j'ai eu l'argent pour régler le transport et tout comme ça. Amen. J'ai donné l'argent pour que certaines choses se règlent. Il a apporté beaucoup de choses à mon ministère. Amen. Et beaucoup de... Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est vraiment important. Tout le monde est en train de voir ça. Ils savent. Ceux de Divo savent. Ils savent ce que j'ai apporté au pasteur Philippe. Ils savent. Parce que nous, on espère en marche. Chez nous, on espère. Et on ne se plaint pas. C'est ça qui est important. Nous, on enseigne aux gens une seule chose. Quand tu fais un ministère, là, il faut le faire. Parce que c'est une vocation. Tu te plains pas. Si tu te plains,
tu n'as pas été appelé. Il faut dégager. Amen. C'est ça. Nous, on n'envie pas les gens qui ont des voitures. Si moi, je voulais avoir une voiture, j'ai mis plus de 25 millions dans un orphelinat, mais j'allais avoir... J'aime les... Moi, je peux vous dire les meilleures marques de voitures. Moi, je peux vous dire tout ça. Je suis passionné des marques de voitures. Mais je ne vis plus pour moi. Amen. Je vis pour celui qui est là. La véritable chose pour reconnaître un disciple, je lui dis, celui qui croit, qui est disciple, qui renonce à lui-même. C'est un renoncement. C'est qui tu t'en mets bon, bien, tu renonces à ça, et puis tu fais la volonté de Dieu. C'est pour ça que je ne vis plus pour moi. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. Je tenais à dire merci à ce bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse par votre. Je sais que toi, on a des bonnes choses. Je sais que tu es venu me chercher. Point probant concernant l'Italie. On aura l'occasion de régler ça tout à l'heure. Mais ta petite visite, donc je suis arrivé là, ça m'a amené à régler beaucoup de choses. Amen. Amen. Soyez des bénédictions pour les gens. Amen. Jésus dit, Dieu dit, tu seras une source de bénédiction. Il a dit à Abraham, il y a des gens, quand tu les vois, tu pleures seulement. Oh ben. Il pleure. Tu es angoissé, mais il va te demander l'argent. Il a demandé l'argent, tu peux être. Quand tu vois ta mine serrée, donne-moi l'argent. D'accord, il y a un mec qui voit son numéro là. Tu dis, qui m'a bipé? Il t'a bipé, tu oublies de l'appeler. Mais si ton papa sous son petit monde, tu l'appelles. Tu dis, mais on dit que tu t'es trompé ou tu m'as appelé. Soyez une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, l'argent que vous avez, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Je tenais quand même à dire merci parce que c'est l'introduction, n'est-ce pas, de ce programme. Je tenais à dire merci au comité d'organisation, ceux qui ont organisé ma venue ici en Europe. J'ai dit aux gens, je n'étais pas oisif quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis allé mater la sorcellerie de Bangourou. C'est l'onction que j'ai. Si tu ne veux pas, tu veux. Moi, je mate la sorcellerie. Tu crois à ça ou pas, c'est l'onction, c'est Dieu qui m'a appelé comme ça. Tu auras l'occasion de découvrir de mon enseignement. Et c'est pour ça que ceux qui sont sceptiques à mon ministère, moi je les classe. Ils sont déjà classés chez moi. Ils sont déjà du côté du diable. Parce que chez vous, ce qui vous chassez. Si vous parlez, vous avez. Si j'ai une fois dit sorcellerie, mais moi je développe ça. Et puis propre, plus que toi. Je développe ça. Et puis moi je ne dis pas au fidèle, ne va pas. Moi je me rends dans son village. Et je prends, je lui dis, mets-toi derrière. Et puis je mate la sorcellerie. Le canari, je déteste ça. Le cardinal, je déterre. À quoi c'est diabolique? Et puis il dit, installe-toi. Bon, ton frère, ton papa est délivré, les sorciers sont délivrés. Sois en paix avec lui. Toi qui dis, ne parle plus à ton papa. De toi à moi, qui est de Satan? C'est pas mon message. Hein? Ce n'est rien avec mon message. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus entendre ce que le prophète Crasso va dire. Quand tu es converti, on le sait, dans ton comportement, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Moi, je n'ai pas peur d'écouter quelqu'un en train de parler parce qu'il y a le discernement. La connaissance biblique crée en nous un discernement. Voilà. J'ai toujours dit aux gens, que je sois pas à Lyon, que je sois dans un village de Lyon, ça aura toujours le même impact. Les gens vont se déplacer parce qu'ils savent ce dont ils souffrent. Dieu a mis la solution à mon ministère. Ils savent. Tu n'es pas dans une église en train de souffrir de la sorcellerie, le pasteur te regarde, il prend toujours ta dîme. Ça veut dire quoi? C'est même pas mon message. Hein? Ça, c'est même pas introduction de mon message. J'ai un message kamikaze tout à l'heure. Ça va aider tout le monde, ça va nous ouvrir les yeux. C'est nous qui faisons que le royaume de Satan prend de l'ampleur. Je suis à Divo. Mon simple ministère, ma présence a permis que le maire de Divo devient le ministre des infrastructures. Je lui ai déjà dit ça. Amen. J'ai prophétisé. Quand j'étais à Verona, j'ai créé une rencontre entre la mairie de Saint-Bonifacio et la mairie de Divo. Je suis un agent de développement. J'aurais l'occasion de dire ça. Quand vous êtes quelque part, votre ministère doit impacter. S'il faut que vous ayez un ministère, une église, de 15 personnes ici en Europe, de missionnaires, c'est une association ou bien c'est, si vous voulez, un site.
Moi, chez moi, quand il dit venez, on fait une réunion des responsables, c'est 30 personnes. Amen. Diacre, ancien, pasteur, c'est 30 personnes. Si tu as 5 personnes, 15 personnes dans une église, c'est une secte. On va, je vais développer ça tout à l'heure. Quel est l'impact de l'église sur une vie? Vous avez une vie comme Lyon, comme dit une bastion, bastion de la franc-maçonnerie, tout est né ici. Et puis il n'y a pas l'impact. L'église n'a pas d'impact. L'église, la Bible dit, tu es l'église. Pierre, et si tes pieds, j'ai bâti mon église. Et le séjour des morts ne préviendront point contre elle. Église de Dieu, qu'est-ce que tu fais à Lyon? Tu es là pour dire. Les francs-maçons sont là? Moi, il n'y a pas un franc-maçon qui peut me faire baver. Tu as essayé. J'ai été fait saigner de nez, de la bouche et les oreilles. J'aime les défis et j'aime bien les relever. Moi, sorcellerie, c'est ce qu'on appelle la magie. Moi, j'ai touché la magie. J'ai vu la magie noire en Afrique. Le monsieur dit les sorciers. Où niez ça? Oui, dit non, on ne fait pas sorcellerie, mais c'est la magie. Chez moi, j'ai allé dans les villas où on dit, monsieur dit les sorciers. Moi, je l'affronte. Il sert du nez de la bouche. À terre. Amen. Quand il se lève et salue, je cherche l'église, je vais devenir chrétien. Amen. Mon ministère. Amen. Vous êtes dans une vie comme Lyon. Vous topiez entre vous-même. Oui, moi-même, on me chiffonne. Ah, lui là. Moi, je viens de l'Afrique. Je viens de Divo. Voici la salle qui est remplie. Ce n'est pas l'orgueil. Voici. C'est l'impact de mon ministère. Non. L'onction fait la différence. Je ne suis pas venu m'installer à Divo, à Lyon, d'apporter un réveil spirituel. Amen. Voilà. Donc si tu me combats, c'est que tu es sorcier. Amen. Tu es là, tu as 5-15 fidèles, tu as 20 fidèles. Moi, une église qui n'atteint pas 500, je ne considère pas ça. Parce que la Bible, Jésus, Paul dit, hein, j'aimerais que vous prospérez à tous égards. L'église de Dieu doit prospérer. Et quand une église commence à régresser, c'est qu'il y a un problème. Amen. Les gens vont banaliser, ils viennent en Afrique chez moi. Parce qu'ils ont peur de la sorcellerie. Pour ne pas qu'ils viennent, qu'on respecte vos autorités, votre autorité en tant qu'homme de Dieu. Nous sommes liés, venez vers vous. Sinon, on va leur dire de ne plus fréquenter vos églises. Ils peuvent ne pas fréquenter vos églises. C'est ce qu'il dit aux gens. Si vous me combattez, mais comme je ne suis pas du diable, je respecte. Je n'ose même pas parler mal d'un homme de Dieu. Non. J'ai respect, grand respect pour l'église de Dieu. Le corps de Christ. J'ai un grand respect pour le corps de Christ. Les gens sont toujours prêts à m'attaquer. Mais je ne peux même pas attaquer. Parce que mon combat, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et de dénoncer la pratique du diable. C'est tout. Mais en même temps, les fidèles, vous voyez, quand ils fréquentent une église, ils ont besoin d'être délivrés. Amen. C'est tout. Amen. Je ne suis pas venu en Jésus-Christ quand j'étais bien portant. Je suis venu en Jésus quand j'avais des difficultés. Amen. Je suis né dans une famille musulmane. Ma maman est peu malienne, Keita Mariam. Je suis. Mon papa est Nyaoué, Krasso, Nyaoué, Benjamin. Je me suis converti quand j'ai vu Jésus, quand j'ai vu la sorcellerie me mater. J'ai donné ma vie à Jésus et Jésus a changé ma vie. J'avais peur. C'est ça, quand tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, frère, il faut t'asseoir, écouter. Amen. Moi, je m'en vais à Paris, c'est 4000 personnes. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Je ne parle pas beaucoup. Je ne suis pas là pour m'inventer. Je suis là pour évangéliser. Amen. Dis aux gens de tout, aux gens, j'ai rien dans le talisman. J'ai rien dans tout ce qui est de vaudou. Je vais vous démontrer ça en plus, mais tout à l'heure. Par les miracles que Dieu va opérer tout à l'heure. Amen. Je suis venu vous annoncer que Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie. Moi, je suis en Afrique. Amen. Mon ministère est plus pragmatique. Moi, je ne suis pas un homme théoricien. Moi, je suis dans la pratique. Amen. Comme il dit, dans un village, une région à la sorcellerie, j'ai dit, bon, je m'en vais. Je suis la brigade anti-sorcier. Quand j'ai crié les t-shirts, brigade anti-sorcier, je suis allé à 13 villes. J'avais le téléphone qui avait des problèmes. Je suis allé régler mes téléphones. On me voit brigade anti-sorcier. Les gens m'approchent.
C'est toi. La sorcellerie, la brigade, tout ça aussi. La brigade des sorciers. Mais c'est la même chose. Le sorcier, il chante. Il vole les bénédictions. Il vole les bénédictions. Il vole les bénédictions. Il arrive à vous violer. Il arrive à abuser de vous. Et les premiers à combattre la sorcellerie furent les blancs. Ce combat-là, ce domaine-là, aucun blanc ne peut discuter de ça avec moi. Le débat est clos. En novembre, je vous promets, mon livre sort. Parce qu'il y avait des éléments qui doivent être sortis. Il y a des recherches qui sont en train de pousser. La chasse aux sorcières était déclenchée ici en Europe. Et ça a commencé en 1900, dans le 15e siècle. Au 15e siècle, a commencé l'inquisition et la chasse aux sorcières. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment dans le 14e siècle, 13e siècle, les gens avaient les grandes industries et envoyaient les corps sans vie. Il y avait les vampires. Les gens commençaient à comprendre que c'était une question de sorcellerie. Il fallait combattre le phénomène. Et ça a commencé à partir du 15e siècle. J'ai commencé le combat. 15, 16, 17e siècle, j'ai eu un bilan. Le résultat est positif. Ok, ils ont fini. Parce qu'on brûlait les sorciers. On les prenait, on les brûlait au bûcher. Demandez à vous tous vos parents, si vous ne savez pas, que vous ne croyez pas à ça ou pas. Tout ce qui a un nom existe. Lorsque celui qui dit croit pas à ça, il a un problème avec lui-même. Si tu es Jacques, parce que tu es Jacques, tu existes, tu viens vivant, tu t'appelles Jacques. Il va te dire, ton aïeul s'appelait Tant. Mais ne vit pas, mais il a existé. Parce qu'il a un nom. Et ça fait, il fait partie de ton histoire. Donc la sorcellerie, la chasse, le combat de la sorcellerie, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vous. Nous, on l'a vécu tout le temps, on n'a pas eu un combat contre la chasse aux sorcières. Et ça a été pratiqué ici, à l'Occident. Et le 18e siècle, vous le savez très bien, pour tous ceux qui sont là à l'école, fut le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Amen. Amen. On a eu les grands savants, c'est à partir du 18e siècle. Et quand on parle du siècle de lumière, c'est qu'il y a eu le siècle de ténèbres. Comprenez? Écoutez très bien les mots. Quand on dit ténèbres et lumière, qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres? Vous savez comment des fois le ténèbre est en état? On ne voit rien dans les ténèbres. Tout est bizarre dans les ténèbres. Après les ténèbres, on mate ce qui cause les ténèbres et on découvre la lumière. Et on dit c'est le siècle de lumière. Et quand on a eu le ciel de lumière, il y a eu le développement. C'est ça que nous tous nous disons, la sorcellerie est anti-développement. Mais en quoi c'est mauvais quand quelqu'un parle de ça? Bah attends, en quoi c'est mauvais? En quoi moi, grâce au j'ai inventé ça? Ça existait avant moi, le combat? Et en quoi avant moi, pour attaquer l'Afrique, vous savez très bien, que ce sont les blancs qui sont allés nous coloniser. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Ok. Ils sont partis avec quoi? L'éducation. Non, l'école. On est d'accord avec ça? Ils ont posé l'école, c'est l'école. Va à l'école. Et puis la plupart, c'est l'école catholique, n'est-ce pas? Oui. On me dit oui, est-ce qu'on est d'accord avec ce que j'ai dit? Mon livre va vous faire du bien. Parce qu'au-delà de ce qu'on sait, Maxime, au-delà de ce qu'on sait du christianisme, on a une expérience personnelle qu'on vit avec Jésus-Christ qui peut édifier chacun d'entre nous. Vous comprenez? Quand ils sont allés avec l'école, avant d'aller avec l'école, sachant que ce qu'ils ont combattu ici, ils allaient retrouver. D'ailleurs, même la plupart de tous ceux qui ont combattu. Le plan Maréchal, n'est-ce pas? C'est tout nos vieux sorciers là, ils ont plus sur l'épreuve. Il n'y a pas un vieux chasseur d'éléphants qui n'est pas sorcier. Mais c'est pas vous ne faites pas des recherches. Moi je suis dans les recherches. On dit quelqu'un à l'université, les chercheurs, n'est-ce pas? Ils cherchent, ils découvrent. Pourquoi vous cherchez? Moi je suis dans un domaine dont je cherche pour comprendre des choses que les gens font. C'est ça qu'il ne faut pas te borner à ce que tu sais. Ce qu'il disait là. Ça ne veut rien dire ce qui est une réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Moi, je suis chercheur. Mais oui. Tous les. Parce qu'ils savent
que c'est avec la sorcellerie qu'on détruit les gens. Ils sont les prêts. La plupart de ceux qui viennent, parce qu'au front, sur nos blancs, nos parents, qui ont donné leur patrie. C'est pour ça que les gens nous voient beaucoup de choses. Amen. Amen. Vous me devez beaucoup de choses. Hein. Si vous nous libérez un peu, nous les développer, les partir. C'est parce que vous nous appuyez souvent. C'est ce qui est la vérité. Vous nous appuyez souvent, vous prenez tout. Tout en vous nous devez beaucoup de choses. Nous avons participé à la délivrance de l'Europe, de la France, beaucoup de choses. Vous nous devez beaucoup de choses. Moi, ma bouche, là, ça ne porte pas qu'à l'essentiel. Ça dit tout, ça te délivre. Intellectuellement, ça va te délivrer. Spirituellement, ça va te délivrer. C'est ce qui est vrai. Et quand ils ont mis la deuxième guerre, parce qu'ils ont fait la première, ça n'a pas marché. Ils ont mis la deuxième guerre. Ils ont mis chercher nos parents ici. On les appelait tirailleurs, n'est-ce pas? Quel tirailleur qui n'était pas sorcier? La plupart des tirailleurs, c'est de chercher des éléphants. Vous ne savez pas ça? Demandez. Oh, c'est eux, on mettait devant. Le gars, il disparaît. Il se met derrière le gars, il tue. Comme les dozos. Il tue le gars, il est battu. Je cherche à savoir. Vous bornez ici Jean 3, verset 16. Je cherche à savoir des choses. Poursuivez. On vous a mis à l'école, vous avez atteint un niveau peut-être 6, 25 heures. Poursuivez des recherches. Dieu vous donne cette capacité de chercher, de le découvrir dans cette connaissance que vous avez intellectuelle. De poursuivre les choses. Ne bornez pas ce que vous avez dans la tête. Amen. Amen. Et après ça, il fallait coloniser l'Afrique. Parce que l'Afrique était la plateforme de plateforme de la richesse. Écoutez-moi, je suis un homme religieux. Je n'ai rien à voir avec la politique. Je souligne très bien, je n'ai rien à voir avec la politique. Mais en même temps, tu peux marcher sur l'or sans savoir que c'est l'or. Vous comprenez? C'est à partir de la connaissance. Sauf que les blancs nous ont apporté beaucoup de choses. Donc salut aux blancs. Que Dieu bénisse. Vous avez apporté beaucoup de choses aussi. Parce que vous avez montré l'or. Qu'est-ce qu'est l'or? On appelle diamant. Et comme vous n'êtes pas trop gentil, vous donnez petit. Sinon, il nous a appris beaucoup de choses. C'est tant qu'ils ont créé, n'est-ce pas, l'éducation. Mais avant d'aller créer cette histoire, il y a eu cette histoire, écoutez-moi très bien, il y a eu cette histoire de, si vous voulez, le calvaire. Je ne sais pas si les gens connaissent ça. Ceux qui sont catholiques, moi j'aime être catholique. C'est une croix qui venait du Vatican, qu'on installait dans toutes les régions. Et cette croix-là symbolisait, consistait à détruire les sorciers. Vous savez ça au moins? Hein? Non, pas le Saint-Sacrement, non. Non. On laisse le secret. On l'appelle le calvaire. C'est une croix qu'on positionne dans les régions. C'est Gaïa. Et les gens disaient que dans le passé, quand tu fais la sorcellerie, tu saignais du nez et tu faisais des aveux, j'ai tué tant et tu mourrais après. Vous savez ça au moins? Pour ceux qui ne savent pas, je vous apporte une information. Il faut savoir votre histoire. C'est comme ça ensuite, ils ont pu s'installer. Ils ont positionné, n'est-ce pas, la civilisation. Et ça nous a fait aujourd'hui du bien. Si je sais que A, B, jusqu'à Z, c'est les blancs. Sinon, nous étions dans les arbres. On mangeait des goyaves. On mangeait cocoman. Cocoman, tout ça. Quand on voit blanc, on veut le manger sans arachide. Nos parents étaient cannibales. C'est tant qu'on dit non, on est la race blanche, n'est-ce pas? C'est venu, il n'était pas eux. Je dis non. Il y a des gens qui mangent les singes, il y a des gens qui mangent les chiens français, il y a des gens qui mangent les gouris. Donc il voit un blanc, il voit une sauce arachide. Il faut le manger, sauce arachide. Parce que la sorcellerie. Mais c'était loué dans nos familles. Dans les familles africaines, la sorcellerie est louée. Quand tu es sorcier, tu es puissant. On dit non, laisse-moi, moi je connais, laisse-moi, on te fait perdre la mémoire. On te créasse, on te tue. Oh, ils les font, on acclame. C'est aujourd'hui on voit la sorcellerie comme quelque chose de négatif. C'est vrai que les blancs doivent apporter beaucoup de choses. C'est parce qu'ils ne veulent pas nous lâcher. Ils ont goûté le miel. C'est trop sucré. Ils continuent de manger. Laissez-nous un peu pardonner.
Pardonnez, laissez-nous voir vous voyez. C'est vrai, merci. On s'est dit ABCD, on connaît tout. Laissez-nous, vous êtes nos patrons, laissez-nous, vous allez voir. Ce que l'Afrique va vous montrer. Laissez-nous un peu, vous allez voir. En 2 ans, vous allez rendre témoignage de la puissance de Dieu en Afrique. Le plus grand diamant, on veut le dos. On veut faire une grande découverte en Sierra Leone. 700 grammes. Ça fait 10 millions d'euros. Moi, je suis les choses. Hein. L'Afrique, mais je ne joue pas. Mais je suis intellectuel, je suis allé à l'école. J'ai été converti. Ça me donne la capacité de réfléchir. C'est la réflexion. Donc, quand tu me parles, je, comme n'est-ce pas les chrétiens libérés, pendant que l'apôtre Paul parlait dans le Thessalonique des Thessalonos, ils écoutaient, mais ils faisaient des recherches. Il y a ce qu'un pasteur peut te dire. Lui, il dit, parce qu'il n'aime pas le pasteur, le prophète Crasson, mais toi, tu peux faire des recherches. Parce qu'il a dit ça, qu'il est vrai. Moi, je fais mes recherches. Et ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Donc, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. L'Afrique, vous voyez, écoutez, la plupart, c'est vrai qu'on peut compter les blancs du doigt. Je vous dis merci. Que Dieu bénisse. Je vous aime très bien. Vous avez apporté beaucoup de choses à l'Afrique. Et on vous doit beaucoup de choses. Je pense qu'on a déjà payé la dette. Vous ne poursuivez pas pour les dettes. Vous m'excusez. Laissez-nous tranquilles. L'Afrique est payée d'équipe. Ce dont vous avez apporté beaucoup de choses à l'Afrique. Et là, chapeau aux blancs. Ils nous ont ouvert les yeux. Et ça, c'est super. Amen. Mais l'Afrique, ils le savent. Toi, tu le sais. Tu le sais. Que c'est le continent de l'avenir. Amen. On a compris? Amen. Écoutez. On dit le continent de l'avenir. C'est-à-dire demain, c'est l'Afrique. Amen. Paradis. Dis à quelqu'un si tu as bien compris. Amen. Il faut dans la révélation. On a ça. Oh, en Afrique, toi, tu as des terres. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est la zone. Quand tu as 100 euros, tu danses. C'est que ça fait au bled. C'est beaucoup. C'est tout. Sinon, l'or vient de là-bas. Pétrole, bien de là-bas. Chez nous, quand un enfant mange chocolat, il n'est pas à l'aise. Mets chocolat, mets à checker poisson. Il prend checker poisson. Il mange un bar à checker. J'avoue que. Il a goûté. Nous, il n'a pas goûté. Nous, c'est mort chimite. Chez nous, il n'y a pas. Il n'a pas goûté, mort subi à 18h. Tu as raté, tu es mort. Tu dors ici. Pauvre Afrique. Ça est banane braisée qu'on a dit à l'enfant va à l'école. Banane braisée. Vous savez ça, on est tous passés par là. Le papa me se lève matin, il regarde dans la mamie. Il s'appelle qui lui coucher, il chauffe, il sauce grise. Il a gratté en bas, il mange. Tu le regardes, il pense même pas à toi. Il baisse banane. Et l'île rouge, il dit à l'enfant, va à l'école. Tu es fâché, tu le regardes. Si tu as mal regardé, il vient te gifler mille coups. Que Dieu nous aide. Amen. Mais l'Afrique est le continent de l'avenir. Ne regardez pas l'Afrique comme n'importe quoi. Même si elle a sorcellé en Afrique, mais le sous-sol est riche. Et la Bible dit que là, où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Et moi, je crois au réveil de l'Afrique. Je crois. Amen. Je crois que les gens se lèveront ici de l'Europe pour aller acheter les terres en Afrique. Moi, je crois ça. Amen. Moi, je crois pas ça. Vous et moi, vous savez que vos petits Jossie, c'est rien par rapport à. Allez verser l'Afrique. Chez nous, on n'a pas trop d'importance. Tu as maison, tu as truc dans le village, tu peux reçu. Je vous dis aujourd'hui, piment, bête d'oiseau, un hectare, ça fait 10 millions de francs CFA.
Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Je suis juste là pour vous réveiller, pour vous apporter beaucoup de choses. On aura l'occasion de que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais dire merci à un frère centrafricain. J'ai donné, je crois, 100 euros au comité d'organisation. Il est où? C'est Nguéné. Venez, monsieur. Pendant que le comité d'organisation organisait cette grande rencontre de prière, c'est monsieur. Que Dieu bénisse. Ce monsieur, il dit, vous savez comment venir? Que Dieu bénisse. Amen. Vous avez pris l'avion. Est-ce que vous savez comment le prophète est venu? Non. Ah! Moi, papa, je n'ai pas acheté bien l'avion pour être délivré. Sinon, il reste à dire. C'est la vérité. Amen. Parce que je suis voisin. Ils ont payé. Et mon frère supplie, je suis allé en première classe, Air France. Amen. Je sais pourquoi vous acclamez. Ce n'est pas l'orgueil. Moi, avion, moi, n'est pas de camarade. C'est la vérité. Hein? Bon. Ce qui fait que je connais les zones de turbulence dans les foyers et dans les... Moi, avion n'est pas camarade. Non, j'aurais dit, moi, je sais pas Air France. Je ne monte pas dans d'autres avions. Parce que j'ai une expérience des avions. Amen. Première classe, on dit. Première classe. Quand je suis descendu au Charles de Gaulle, ils m'ont fait la grande surprise. Je suis arrivé, ils m'ont pris la limousine. Moi, je suis un villageois. Non, non, je vous dis qui je suis. Je suis dans au village. Je suis toujours en train de manger à Gouti. On mange plus Ebola, on mange à Gouti chez nous. Je ne sais pas où il va prendre. Ah, le prophète m'a Gouti. Ebola, on a peur de lui. Il n'y a plus d'Ebola, c'est fini. Donc, quand quelqu'un dit qu'il n'est même pas ivoirien, lui, et qu'il s'est dit, il faut que je vienne, mais il faut qu'il comprenne que le comité d'organisation. Il faut consulter le comité d'organisation. Mais un monsieur comme ça, j'ai besoin de lui dire officiellement merci. C'est la première personne demain, samedi, 15h, tu es moi d'avoir tête à tête, maté sorcier. Amen. Et Dieu te bénisse. Pour dire ça va, vraiment important, c'est l'ouverture, c'est l'introduction de ma tournée. Je ne suis pas venu m'exhiber. Vous aurez l'occasion de comprendre beaucoup de choses ce soir. Mais j'en profite pour dire merci aux gens. Tel que le monsieur. Je tenais à dire merci au pasteur Fernand. Merci. Je pense qu'il m'a personnellement, merci pasteur, que Dieu te bénisse. Il m'a personnellement marqué. La première fois où on devait faire un programme sur Lyon, c'est l'année dernière. On a eu peut-être un petit souci parce que moi je partais sur les États-Unis. Il n'a même pas discuté, il m'a scellé son église. Amen. Depuis lors, on est resté en contact. Ils nous ont dit tout ce qu'on pouvait dire de grâce. Moi je suis habitué à ça. Ça ne me fait plus, ça ne me fait rien. Amen. Je sais que je suis. J'avance. Je m'occupe de personne. Amen. Moi je pose mes actes. Tu m'écris ce qu'il est fait, qu'il ne peut pas faire. Tu n'as jamais construit orphelinat. Tu n'as jamais nourri des veuves. Amen. Tu n'as jamais nourri des orphelins. Moi, je le fais. Pour d'autres chrétiens, on dit on nourrit veuves orphelins. Et nous, on dit tout ce qu'on pouvait dire. Qui est la plus que j'étais là? Mais je l'ai vu ici hier. Je suis venu, j'ai vu la salle. Moi, je n'ai pas un problème à brancher des barres. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Non, j'ai compris Dieu. La seule chose qui me permet de reconnaître un chrétien, c'est l'humilité. Amen. Je vis en toi, tout le monde. Amen. Le prophète Trasso, c'est rien. Amen. C'est quoi? Trasso, c'est quoi? C'est le Trasso. C'est un nom. La puissance, c'est Dieu qui nous donne. Amen. Amen. Moi, je peux venir brasser bas. Je suis venu taper t'entendre, ça ne fait rien. Amen. Je suis quitté de ma chambre, je suis venu voir la salle. J'ai trouvé le pasteur, il était là. Il appelait,
pour savoir les chaises. Amen. Pour continuer l'avancement de l'œuvre de Dieu, que Dieu apporte beaucoup de réveil. Amen. Ce soir que j'irai dimanche chez toi. Amen. Dans l'église pour prêcher la parole. Amen. Amen. Laisse-moi parler, parce que quand il ne parle pas, le prophète il vient, il prie seulement pour les gens, il prêche même pas, il fait tomber les gens. Je me dis, mais les gens sont restés jusqu'à minuit, il faut qu'ils viennent délivrer, ils fait, quand on dit, mais il n'arrive pas à prêcher. Il est venu seulement à délivrer les gens, il n'arrive pas à prêcher, on voulait la parole de Dieu. Allez, doucement. Amen. Amen. C'est une tournée européenne, je suis là pour peut-être un mois, deux mois, peut-être deux mois. Mais le temps de remercier les gens qui ont contribué, n'est-ce pas, à l'organisation de cette cérémonie. Amen. Voilà, donc, que le Seigneur soit glorifié. Merci, pasteur. Merci. Celui, moi, je m'en fous des gens qui me critiquent. Parce que tu ne peux pas être crasseux, je ne sais pas toi. Tu ne sais pas qui je suis. Quand Dieu me parlait, tu n'étais pas là. Ah non, c'est la vérité. Quand Dieu me parlait, tu n'étais pas là. Et puis, c'est pas bon de faire procès, de parler de quelqu'un. C'est ce que la Bible dit. Moi, je préfère aller prêcher l'évangile que de m'occuper des gens. Amen. C'est celui qui est oisif, qui n'a rien à faire, qui parle des gens. C'est un pécheur. Vous pensez, mais ah, lui, hein? Parce que moi, ils ont toujours dit, ah, le prophète là, il ressemble, il fait comme bailler. Mais qui est bailler? C'est pas de mon époque. Écoutez, c'est pas de mon époque. Je connais même pas ce monsieur. Là où je suis à Divo, le peuple d'Ida, ils sont à Guitry, ils sont à Divo, ils sont à Lakuta, ils sont à Iré. C'est le peuple numéro un en matière de sorcellerie. Vous savez pas? Il n'y a pas de baladeur. Hein? C'est le numéro 1 matin de sorcellerie. Mais je suis maréchal de la brigade. Il n'y a qu'à rester où la brigade. C'est où il y a les délinquants spirituels que le maréchal doit opérer. Ah, vous savez pas que ça dit beau qu'il y a les plus grands sorciers. Vous savez pas? Ah, d'autres peut-être sont de ça. Les guidas sont les numéro 1 matin de sorcellerie. C'est le numéro 1 matin de sorcellerie. Amen. Je me suis déjà présenté. Je suis le prophète Joël Crasso. Je dirige un ministère qui est à Divo. Et précisément à 2h15 d'Abidjan. C'est à 2h15 d'Abidjan. Moi, je ne suis pas les gens. Je vous dis une chose. Il y a des gens qui viennent vous donner une révélation qui ne peut pas vous délivrer. Waouh! Moi, je ne suis pas dans. Je ne suis pas dans du bluff. Je suis venu ce soir pour faire l'œuvre de Dieu. Je sais comment je dois commencer. Je sais comment je dois finir. Je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas venu plaire à quelqu'un. J'ai dit aux gens, on dit, mais tu es prêt? J'ai dit, c'est comme tu me donnes une cuillère et puis dis, mange. Pour manger, on a besoin de dire à quelqu'un, tu es prêt? Tu as longé un peu de prêt. Ou tu as appelé ou tu n'es pas appelé. Je suis convaincu de mon appel. Amen. Amen. Comme je disais tout à l'heure, je suis né dans une famille musulmane. Je ne suis pas venu dans le christianisme parce que je voulais être chrétien. Ça, je tenais à vous dire ça. Ma maman est peu malienne. Mon père est béteux de Gaillois. Mon père est mort de la sorcellerie. Ils l'ont tué. J'ai vu mon papa agoniser, mourir. Le médecin nous confirme qu'il est mort de la sorcellerie. Ça s'est passé comment? Mon papa avait créé 100 hectares de cacao dans son village. Ils lui ont dit, parce que dans les villages, on dit que tu ne vas pas jouir du fruit du travail que tu as. Et tu apprends, tu ne sais pas qui. Mais qui dit ça? Mais lui, on dit, d'où vient l'information? Mon papa a eu cette information. Et nous avons aussi attendu cette information. Effectivement, 5 ans après, le champ brûle
Il y a un feu de bruche et tout le champ ensemble. Ceux qui savent un peu qu'on appelle une plantation, ils peuvent vraiment comprendre qu'il y a ce qu'on appelle feu satanique et feu qui est naturel. Ce n'est pas un hectare, mais tout l'hectare, les 10 hectares sont ensemble une seule nuit. Quand mon père a appris ça, il allait au village pour s'imprégner de certaines réalités. Il constate les faits, c'est vrai. Et comme mon père était musulman, il a bu le nasiri. Il avait ça. Il allait menacer les gens. Quand il est sorti de la... Il est sorti du village, il a fait tonneau, fracture au bras, au pied. Il a compris qu'on ne joue pas avec la sorcellerie. La Bible nous dit dans Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est avec la puissance de Dieu que les montagnes pourront se déplacer. C'est pour dire, frère, ce n'est pas avec la force. C'est pour ça que nous avons compris aujourd'hui, même un sorcier qui dit qu'il t'a mangé, nous comprenons le sorcier et nous disons qu'il est malade, il faut le délivrer. J'ai délivré aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dieu est passé par moi pour délivrer 8474 sorciers. 8000 quand j'ai quitté Abidjan, c'était 8474 sorciers délivrés. D'autres personnes quand ils disent tu es sorcier, ils ont peur. Nous quand ils disent tu es sorcier, on a pitié pour toi, on a pitié. Tiens, le monsieur, il est rentré dans une affaire où il doit manger chaque jour. Mais moi, il doit manger. Il faut le délivrer. Qu'on le délivre. Donc je ne crois pas, moi. Je ne crois pas que c'est un démon que j'ai reçu. Jamais. Amen. Je ne crois pas que c'est un démon qui m'a mené à cette conversion. Amen. Pour aimer mon prochain comme moi-même. Je crois avant ma Israël. Je crois aller construire Ophélina. Je gagne quoi? Je n'ai pas acheté une maison à Abidjan. Je n'ai pas acheté une maison à Divo. Je loue une maison à Abidjan. Je loue une maison à Divo. Et puis moi j'ai aimé un... Écoutez, quand vous rencontrez Dieu, je respecte ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frère, Jésus répète ça dans l'évangile des gens. Voici le signe. Les disciples, c'est l'amour. C'est quand tu aimeras ton prochain. C'est le signe. Pour reconnaître un vrai disciple, c'est l'amour. Vous aimerez les uns les autres, c'est cela que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est cela que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Parce qu'un véritable enfant de Dieu doit aimer son prochain. Amen. Je suis arrivé à nouveau où j'ai compris Dieu. J'ai compris qu'il faut aimer son prochain. Je ne crois pas que c'est un démon que moi, Crasso, j'ai reçu. Amen. Les gens rencontrent des choses à la bizarre. Est-ce qu'il est là, il est de Dieu? Mais écoute, pour celui qui est un vrai chrétien, il va savoir que le prophète Crasso est Dieu. Amen. Amen. Ce qui anime le diable, c'est la haine. Moi, je travaille dans le domaine de la destruction, de la sorcellerie. Le diable, la mère, tu es un fichant fou, tu es sa mère. Tu consumes les gens, il te mange. Il veut te détruire, il te détruit. Le sentiment n'existe pas, matin de sorcellerie. Ça n'existe pas. Le véritable enfant de Dieu, ce qui le caractérise, c'est l'amour. Et bizarrement, aujourd'hui, on découvre ça dans notre milieu évangélique, surtout. Moi, j'apprécie beaucoup, quand même, un petit côté charistas. Chez les évangéliques, là, ça n'existe pas le don. Hein. On donne toujours pasteur. Hein. Le pasteur, il regarde. Hein. Il regarde la corbeille. Faut pas venir à l'église, mais faut payer ta dîme. Non, il va te pousser pour ça. Hein. Ça, c'est la haute sorcellerie dans l'église qui est pratiquée. Où est l'amour qui est pratiqué? Dans l'église, même catholique, à Caritas, les gens font. En fait, on ne peut pas connaître Jésus, le servir, sans faire du social. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Et je suis descendu, j'ai commencé à donner de l'argent des personnes qui passaient. J'ai vu une personne, j'ai senti que la personne marchait, elle avait des problèmes. Une personne, sa chemise était tétée, bizarre. Je sais que le monsieur, il souffrait.
Je suis descendu dans ma voiture, j'ai commencé à donner. Trois personnes, mon cheveu m'a dit, patron, il y a quoi? Ça va chez toi? Parce que moi, je prends toujours des musulmans comme chauffeurs, puis je les convertis. Amen. Ils vont prendre Christ là. Ils vont faire gêne, ils vont faire gêne au volant, ils vont gêner. Moi, j'ai été musulman, je suis un petit doula. Donc je prends toujours les musulmans. Donc lui, il pensait qu'il était malade. Il ne peut pas comprendre que quelqu'un se sort de sa vie, gars. Et puis il dort. On peut comprendre une seule personne. Mais trois personnes. Le gars, il dit, patron, ça va? Est-ce que ça va sur toi? Il dit, ça va. Et puis je l'ai fait garer. Parce qu'il était perdu, il était troublé. Il ne comprenait pas mon geste. Parce que c'est important. Il y a souvent des gens qui ne vous comprennent pas. Et je l'explique. Vous voyez, quand on arrive à un niveau de compréhension de Dieu, on est aidé. Donc moi, quand un pasteur aide, je suis arrivé à un niveau où un pasteur doit aider. Moi, je dis toujours aux gens, ce n'est pas seulement le fidèle qui doit donner, le chrétien, le fidèle, le pasteur doit donner. Amen. Avec toutes vos histoires, il dit, moi je ne crois pas à aux gens qui vous disent, et si tu donnes chaque jour, tant un ministère, Dieu va te bénir. C'est un sorcier qui est en train de parler. Amen. Lui, il a donné combien? Lui, il donne combien pour que les gens donnent combien? Lui, il est qui? Et puis, c'est à lui, on doit donner. Puis, cet argent-là, il reçoit ça. Puis, il fait quoi, ça? Il a une fois avec eux, ce chef, il pense à aller manger. Amen. Amen. Est-ce qu'on avait compris? Amen. Donc, j'ai compris que moi, le prophète Crasso, je ne crois pas que c'est un démon que j'ai rencontré dans ma vie. Je ne crois pas. Parce que si c'est un démon que j'avais rencontré, j'allais être un homme possédé. Peut-être qu'il n'allait pas descendre pour donner aux gens, il allait frapper les gens qui voyagent mon chemin. Il allait prendre bois pour chicoter les gens. Il va être possédé. Mais quand tu rencontres Jésus, on dit un mangué produit des mangues. Un mangué produit des mangues. Je ne sais pas pourquoi les gens sont sceptiques. Mais dans les gestes, les faits gestes d'une personne, vous pouvez comprendre le ministère, vous pouvez savoir s'il est converti ou pas. Amen. Aujourd'hui là, tout le monde peut insulter quelqu'un sur Facebook. C'est pas interdit. Parce que tu es abonné, c'est gratuit. Même YouTube, c'est gratuit. Mais ça ne veut pas dire que celui qui entend et dit des choses là, con, là, excusez-moi. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Hein? Voyez ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit, où sont les preuves? Où sont les preuves? Le prophète Kassou a 5000 vidéos. Ce n'est pas un mystique. Si c'était un mystique, il allait cacher ses yeux. Parce que le mystique, c'est qu'on cache. C'est en 4000. On fait une cloche, plan. On tire poulet. On te lave. C'est toi et le petit chien. Et puis c'est fini. Mais quelque chose qui s'est fait aujourd'hui, on fait Facebook Live. D'autres me disent que c'est des montagnes. Mais je ne comprends pas. Quelle montagne? À cause de nous aujourd'hui, les gens se déplacent. Des gens moins, des monts, des biancoumants, de tout bas, se déplacent pour dire, je suis sorcier, je vais quitter la confrérie. La société. Ils trouvent que chez nous, on peut les délivrer. Nous sommes aujourd'hui à 8474 sorciers délivrés. Amen. Je vais vous expliquer. Et la victoire qu'il y a quand un sorcier est délivré. Amen. Pourquoi vous ne délivrez pas les sorciers? Quand on parle des sorciers, on appelle lui. Le pasteur m'appelle lui. C'est quoi un sorcier? Quel sorcier? Mets-toi là-bas. Pas manger. La vérité, le sorcier n'est pas capable de quelqu'un. Hein? J'ai délivré un sorcier qui est devenu aujourd'hui pasteur. Amen. Amen. Le pasteur Madoché, évangéliste, il est devenu pasteur dans notre ministère. Ils l'ont chassé du village. Il a tué son papa. Son Jimré. Maman, son parent. Son oncle, Tigliti.
C'est une possession démoniaque. Ils n'ont plus de volonté, c'est plus fort que eux. C'est ça qui fait du bien à ta mère, c'est la sorcière. Elle va te manger la sauce arachide. Elle te met dans la sauce arachide, elle te mange. Elle te met dans une sauce indolée. Je salue tous les Camerounais ce soir. Que Dieu bénisse. Les Camerounais sont très merveilleux. Wow. Les Camerounais sont là, levez-vous. Levez-vous, je vous. Wow, que Dieu bénisse. Wow, on acclame les Camerounais. Que Dieu vous bénisse. Nous passons à la joie. Merci. Les Camerounais que vous. On parlait de la sauce molée. Quand j'ai goûté, j'ai rendu témoignage de la sauce. Oh. On ne dit pas c'est bon, mon père. Moi, je suis un spécialiste des sauces. Je ne suis pas là dans vos pizzas, mais excusez pour ça. Donnez, c'est la meilleure sauce. L'Afrique centrale. Demandez, ils vont faire des commandes. Ils sont super dans les Camerounais. Dans le pasteur, vient me manger. Et on a parlé, j'appelle le pasteur matin. J'ai dit, toi-même là, toi. Ils ne t'ont pas chassé à cause de chancellerie. Il dit, oui. Pourquoi tu veux manger? Tu es dans une chambre, tu as un lit. Moi, je suis dans ma chambre. Tu me regardes comme ça. Tu me manges une sauce tomate avec un bout de diamant. J'ai fait, il a fait quoi? Mais ils te diront rien. Il n'y a pas de raison. J'ai fait quoi, il veut manger? Il n'y a pas de raison, frère. Il n'y a pas de raison. C'est bête, la sauce de l'île. C'est bête. C'est des gens qu'on appelle des Jésus. Vous savez, il y a des personnes qui sont comme des Jésus dans la famille. Vous savez, Jésus, à un moment donné, Moïse a perdu la grâce. Et c'est Jésus qui l'a suscité. Il y a des gens qui sont comme les Moïse. Le Moïse, c'est le Père qui vous engendre. Mais les enfants, là, parmi eux, il y a des Jésus qui doivent vous conduire à Canaan. Amen. Et il y a des Jésus comme ça. Quand c'est des Jésus, eux, ils ont un fardeau terrible pour la famille. Tu ne peux pas leur enlever ça. Elle est petite, mais elle a toujours un penchant pour la famille. Toujours envie d'aider la famille. Amen. Ce sont ces personnes-là qui les sorcient. Les mangent. Dans une sauce aquée, léger. Avec à checker, à beau diamant. Là, c'est rapide, on ne parle pas trop. Je lui demande, il dit, c'est même pas. Mais il a envie de me manger. Comment tu peux me manger, le prophète? Il dit, quand il regarde, il me met dans une sauce. Il dit, mais je t'ai fait quoi? Il dit, rien. Mais comment tu peux me mettre dans une sauce, une mamie, pour me découper, une mamie, une tomate là-dessus, à Kiki? Et puis après, il te bêche. Il n'a pas pensé à tout ça. Il dit, c'est bête. Je l'ai délivré à moi. Amen. Je suis obligé de le délivrer. Quand on parlait, j'attaquais l'esprit. Je dis, l'esprit qui est en toi doit dégager de ta vie. C'est une possession démoniaque. Frère, le sorcier n'a pas besoin de ton avis pour t'initier à la sorcellerie. Il n'a pas besoin de te consulter. Si tu n'es pas devenu sorcier aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Amen. Le prophète, il parle trop les sorciers. Il est trop gentil les sorciers. Mais c'est un être humain. J'entends parler, Dieu m'a initié. Ok. Comment? Parce que un jour on a appelé son âme s'est retrouvée dans une confrérie. On l'a initié à la sorcellerie. Ils l'ont donné une feuille de route. Il faut tuer. Dans notre ministère, nous avons reçu à délivrer des personnes qui sont devenues des pasteurs. Dans notre ministère. Amen. Des bruteurs. Non seulement ça qui tue, mais physiquement, qui prenaient les organes humains pour aller faire des sacrifices, qui sont devenus des évangélistes dans mon ministère. Il y en a dans mon Amen. Ministère. Amen. Vous avez un ministère. Quel est l'impact que le ministère a sur la ville, sur le pays, sur les gens? Il y a quel impact? Amen.
Vous, votre impact, c'est parler mal des gens. Vous êtes expert en critiquer. Moi, j'ai des témoignages. J'ai des témoignages. Amen. Des témoignages. Amen. Jésus dit, vous serez mes témoins. On doit être témoin de Jésus-Christ. Les témoins, les témoignages me suivent dans mon ministère. Amen. Le ministère qui existe est un ministère prophétique. La capacité de détecter, parce que le prophète c'est un voyant. Amen. Amen. Et la capacité de détruire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, vous savez très bien, car verset 6, il y a diversité de dons et diversité de ministères. Quand on dit diversité, il y a beaucoup de ministères. Amen. Amen. Ok. Et il y a diversité d'opérations. Ça veut dire de manière de faire. On dit, mais c'est quel problème les Canaries? Dans quelle révélation de vos pasteurs, il n'y a pas eu, on t'a enfermé dans un canari au village. N'est-ce pas? Hein? Non, répondez-moi. On vous dit ça à Paris ici? Pour moi, ici en France, on t'a enfermé dans un canari au village. Mais il fait comment parler? Moi, pour d'autres personnes, on dit. Mais on fait comme en celui, bon, on t'a donné une révélation, mais ils font comment parler d'être le canari ou t'es enlevé dans le canari. Pourquoi il y a eu ce courage de faire une tournée européenne à cause d'un message contraire de ceux qui des pasteurs qui sont en Occident? Parce que vous avez tendance à dire aux fidèles que n'allez pas en Afrique, parce que si vous arrivez en Afrique, les sorciers vont vous tuer. Vous avez un problème, vous? Parce que la sorcellerie, vous voyez, est évolutive, comme la technologie. La sorcellerie aimerait que vous restiez l'ignorance la plus totale, que vous ne la maîtrisez pas. Et quand vous dites, quand un pasteur vous dit, n'allez pas en Afrique, parce que si vous partez en Afrique, les sorciers vont tuer. Ça veut dire que le pasteur vous dit, le sorcier est plus puissant que le Dieu que tu pries. Bon, le pasteur t'a dit ça. Toi, tu es fidèle. Tu vas avoir peur. Merci. Allez, moi. Oh là là. C'est parce que tu as réveillé. Amen. Amen. Donc, le pasteur, en disant ça, il te met dans une frayeur, une peur bleue. Tu as sans aide à la sorcellerie, n'est-ce pas? Là, tu commences à avoir peur de la sorcellerie. Pour toi, tu n'as même plus besoin de prier le sorcier du village si tu viens en Afrique. N'est-ce pas? C'est ce que tu as dans la tête. Or, écoute très bien. C'est une erreur que tu viens en Afrique et pas. Sorcier, cherche pas visa. Il ne paye pas avion. Bien d'avion, Air France. Il a un tofla, il vient chez toi tous les jours. Aisons-nous-là. Aisons-nous-là. C'est 15 minutes, si balai. Il te localise. Sauce arachide. Ou sauce grenette. Ça va être petit là-dessus. Aubergine. C'est la meilleure sauce de chez nous. Toi, tu grétis. Quand tu accueilles ça, c'est que tu es super. La sauce grétis, c'est des feuilles. On met la sauce grenette. Tu manges, tu as de beaux rêves. Si tu réveilles bien, j'ai une bonne force pour courir. La sauce Tikriti. Il y en a encore. Hey, vous cherchez Tikriti. Contactez-moi. Je vais vous trouver la feuille de Tikriti. Il y a ça à Divo là-bas. Il y en a dans la bouche de Divo. Amen. Alors on a peur. On ne veut plus venir en Afrique parce qu'on a peur à cause de la sorcellerie. Parce que dit que si je viens en Afrique, les sorciers, oh, ils sont contents, ils dansent. Ils dansent. Il prépare le jet privé, un tofla. Tu es sous un devant le pasteur. Le pasteur ne comprend pas. Tu vas à l'hôpital, on ne sait pas de quoi tu souffres, mais tu es malade. Arrêtez-moi ce beau connerie.
La Bible nous dit dans Luc 10, verset 19. Je vous donne le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions. Et c'est toute la puissance du diable. Toute la puissance. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Amen. On dit rien ne pourra vous nuire. Et la Bible dit qu'il ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais la mettre en pratique. Amen. Pourquoi tu ne la pratiques pas? En allant au village. Parce que tu as le pouvoir sur la sorcellerie. Vous pensez que c'est seulement ici? Et puis d'ailleurs, même vous-même qui êtes à Bengue ici, là, vos chers, là, c'est comme pour mouton. C'est tout tendre. Quand vous partez à Abidjan, vous filmez les gens, les données portables, iPhone 7, le sorcier qui regarde. Demande aux gens, c'est qui, c'est la fille de qui ça? Il dit, c'est la fille de Zoa. Ah, c'est la fille de Zoa. Ok. C'est elle qui m'a filmé là. On dit oui. T'as du film les narines du vieux. Tu flattes dans les narines du vieux, prends. Quand tu rentres témoignage. Tu meurs du cerveau. Cancer détruit. Je vous dis une chose. Ça peut arriver à quelqu'un qui n'a pas connu Jésus. Paul dit, Christ à moi, l'expérience de la gloire. Je suis l'homme le plus menacé. Moi, je me dis, tu vas à Zamaka, à Bangourou, les sorciers vont te tuer. Je dis, bravo. Je vais tester la parole de Dieu. Je vois si Jésus a menti. Et puis moi, il m'avait là-bas. Je mate. La mort de Jésus-Christ nous a donné la victoire sur les œuvres du diable. Tout ce que le diable dira après, c'est du mensonge. Donc si quelqu'un vient vous dire que n'est pas allé au village, n'est pas dit bonjour à un maire ou à ton père, parce qu'il veut te manger. Frère, quand vous dites ça, banalisez la sorcellerie. Quand vous êtes dans le Seigneur. Il y a des personnes qui sont venues de la Côte d'Ivoire qu'on a envoyé me tuer en sorcellerie. On leur a envoyé, on a envoyé le monsieur toute la sorcellerie de la Côte d'Ivoire. Frère, quand on dit la sorcellerie de la Côte d'Ivoire, c'est à peu près à 30 km de Dalo, de Divo à la Côte d'Ivoire. C'est là où se trouve tout l'esprit de dragon de la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, c'est Guillaume. Moi, j'ai fait une étude en démonologie, en mythologie. Je suis en train de faire des recherches. Quand on est sur un terrain, il faut faire des recherches. Il faut apporter la connaissance qu'on a sur le terrain. Et eux, ils sont les fonds des incantations. Ils peuvent envoyer 1000 dragons dans ta maison. 1000! Je me souviens, je me levais un matin, on était allé créer l'église de Divo. Et je devais aller diriger l'église à 5h du matin. Je me suis levé. J'ai prié à 1h, 3h, 30. J'allais prendre ma douche. J'ai pris mon Dieu, comme ça, fait le sport jusqu'au centre. Avant d'aller au centre, au Carrefour, j'ai vu deux troupes, des esprits avec des oreilles, comme des chauves-souris qui venaient de l'autre côté, m'attaquer. Et plus les esprits venaient, je m'affaiblissais. J'ai dit non. Vous avez menti. Toute arme forgée contre moi. Esaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est la parole. C'est la promesse de l'Éternel. Faites nous. Parce que ce n'est pas possible qu'un ministère puissant s'installe à Divo. Ce n'est pas possible qu'un ministère puissant. Les esprits sont venus. Ils étaient juste à mon côté. Je leur ai regardé. Je leur ai nargué. Ils se sont arrêtés là. Sont descendus. Je l'ai vu en rang, long, gaillard, à perte de vue de l'autre côté. Ça ne m'a même pas effrayé. J'ai marché sans regarder derrière. Jusqu'au centre. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas vu quelqu'un me toucher. C'est-à-dire que je ne les ai même pas considérés.
Il n'y a pas pour rien. Il y a regardé le rang. À peine de vue, il est regardé. J'ai fait mon tchourou. Quand l'Africain te dit tchourou, c'est qu'il fait rien, toi. Il y a rien comme ça. J'ai rien comme ça. Comme ça. Je n'ai pas plus le temps. Je devais diriger la prière. J'ai quel temps venir vous dire, vous avez des effets. Je m'en fous de vous. Je vous ai déjà sous mes pieds. Personne d'entre eux ne m'a touché. Parce que je ne leur ai pas donné d'importance. Toi, tu donnes importance à qui? Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera. Amen. Amen. Vous savez, donc, ce dont les gens ont besoin, c'est ton témoignage. Amen. C'est tout. Ce dont les gens ont besoin, c'est ton témoignage. Amen. Ton témoignage ne donne pas envie de servir Dieu. Ça, c'est déjà un problème. Parce qu'on a l'impression que, Dieu n'est pas puissant. Au travers, je descends. On a l'impression que Dieu n'est pas puissant. Dans ta chrétiennité, on ne voit pas Dieu à l'œuvre. Donc quand tu parles de Jésus-Christ et à ton voisin, appelle ton voisin, crois ce que tu dis. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc le voisin te regarde. De la tête jusqu'au pied. Il regarde ta maison. Jésus, il est puissant, mais qu'est-ce qu'il fait pour toi? Il est Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Il guérit, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Sinon, il ne te suivra pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, et ma parole et mes prédications ne reposaient pas sur les discours, mais aussi dans une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Il faut que la puissance de Dieu se démontre. Pour amener celui qui ne croit pas en Dieu. Amen. Amen. Je rentre dans un village, on dit qu'il y a un dragon qui tue les gens ici. Depuis les décennies, ça fait plus de 2 siècles que le dragon mange les gens à grotte. J'aurais dit, on a fait une réunion technique. On dit que ce dragon-là, il y a un prêtre qui a commencé, n'est-ce pas, sa première messe. Il a commencé que le sorti. Bénissons le Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Il est mort devant l'église. Seigneur, prends son âme. Amen. Sois l'enterré. Ça, ils ont l'enterré. Donc, ils m'ont appelé pour dire, tu vois la tombe que tu vois dans la cour de l'église. C'est un prêtre. Il a fait toute l'école. Ils sont si long tués. Quand on me regarde, on me dit, parce que moi, ils me banalisent. Je suis moi qui là, je peux pas aller prêcher un pilote. Mais oui, il fait quoi? C'est pas Costi qui prêche. Tu m'aimes bien costume. C'est moi, je suis pas là dans le costume. J'ai regardé. Moi-même, là, je suis pas prêt pour payer le costume. Mais l'argent, il ne peut pas aller donner son ordre. Non, amen. Ma amen. Je ne peux plus prêter. Non, franchement, je suis arrivé au stade où je ne peux plus mettre l'argent dans le costume. Amen. C'est vrai qu'il y a le costume, mais franchement, il y a les enfants qui doivent nourrir. Il y a 1000 enfants qui doivent nourrir. Amen. Je préfère donner mon argent. Ce sont les yeux qui vont me suivre demain. La Bible que vos yeux vous suivront. Amen. C'est pas ta prière. Amen. C'est ce qui t'a fait là qui va te suivre là-haut. Amen. Il faut que les gens vous expliquent. Ce n'est pas l'argent qu'ils donnent. Mais l'argent, là, ça fait qu'eux. Wow. Il faut que les gens vous expliquent. Et les yeux vous suivront. J'ai compris. On dit la tombe là, c'est moins bête. Il a fait, il a la robe au Vatican. C'est l'habitant pour mes frères. J'ai dit, moi, je suis le maréchal de la brigade du sorcier. Je ne suis pas un abbé, je suis un maréchal. Donc, tout ce que j'ai tenté de dire, ça ne me dit rien. Moi, mais j'aime les terrains comme ça, où on tue des prêtres. Donc, on fait la réunion technique. Tous les maplaos, maplaos, c'est des sorciers.
Tous les maplaus sont là, on se regarde. J'aurais dit, vous comptez sur le dragon? Dis oui. Tu n'as pas dit de prophète. Si tu as pu localiser le dragon, que tu as pu le tuer, nous on se rentre dans le village. Vous savez, les délivrances des villages, il y a délivrance puis il y a délivrance. Les gens ont fait sur vous, pendant du temps, ça, les champagnes. Oui, les gens disent, chopin, les démons t'es tués. Les gens disent, depuis longtemps, mon papa m'a envoyé. Nous, on va délivrer le village. Quand j'ai appris, j'ai dit, ok. J'ai pris toute une nuit. Je n'ai pas de voiture. Je suis venu en taxi dans le village. J'ai dit, aujourd'hui, le dragon sera tué. Le noir comprend ce qu'il dit là. Ce qu'il dit là. Le noir comprend. Le blanc comprend pas, il est perdu. Écoutez, il y a les délivrances, il y a les ministères qui sont typiques à l'Afrique. Tous les Africains, quand ils sont nés, on les purige. Purigeant numéro 1, numéro 2, numéro 3, 17, 62, 65, 74, ça finit 74. On a tous fait ça. Chez moi, Abidjan, purigeant, chez moi, Abidjan, Abidjan, purigeant. Mais ça, tu n'es pas Africain. Ton Jopadjo là, qui peut soigner, c'est pas Purigeant. On se connaît ici ou bien. Il y a rien qui voyait ça. Et France, et Bruxelles, et Maroc, vous voyez ça. Je me dis dedans. Premier d'abord, c'est Purigeant. Ah, on dit ça devant Château Rouge ici. Même ici à Lyon, ça se voit ici. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas Purigeant, ils ne peuvent pas dormir. Mais c'est la vérité. Je ne suis pas en train de dire des conneries. Vous le savez très bien que c'est la vérité. Quelqu'un qui s'est purigé, quelqu'un qui s'est pas purigé, n'ont pas les mêmes démons. C'est la vérité, ma fille. Purigé, quelqu'un purigé. Ils n'ont pas les mêmes démons. Les vieux, les vieilles, les plus enfants. Combien souvent on prend un enfant, on lui fait boire à Nakobaka. Vous connaissez Nakobaka? On prend un lit de bouillie, bouillie de maïs, et on attrape les narines de l'enfant, et on le fait boire. Quand l'enfant finit de boire, il dort. Ça veut dire qu'il peut, il dort. Il a oublié de dormir qu'à 18 heures. Nous, on est nés dans ça. On est tous nés dans la gêne. Chez nous, c'est la gêne. La vieille, elle va aller vendre. Moi, quand manger, t'as mangé. Tu as pleuré de l'air. Descends. Anadoubaka. Tu commences à pleurer. Elle te douce. Elle touche ton ventre. Elle dit, c'est pas encore clair. Que Dieu nous aide. C'est le Seigneur. Quand on touche, la Bible, c'est que tu es rempli. Comme quand tu pleures, ça sort de ta bouche, dans tes narines. Tu es obligé de dormir. Tu dors. Il n'y a même pas lait dedans. Il n'y a même pas sucre, c'est amidon. Elle peut te donner, elle peut ne pas se lever. Et puis tu... Après. Amen. C'est ça que la délivrance, le ministère de délivrance, nous on a compris. Il faut aider les gens à fond. J'ai compris que pour mieux aider une personne, c'est de délivrer cette personne. Amen. C'est ça que rarement aujourd'hui, j'aime exposer la vie des gens. Je dis exposer parce que la délivrance, on se connaît, vous connaissez, d'autres personnes se connaissent ici. Quand tu vas commencer à parler de la vie de quelqu'un, ça va pas ici RFI. Au lieu que ça soit un truc d'édification, ça prend toute la force. Vous comprenez? Parce qu'on a suivi tout à l'heure. La réalité aimerait que le frère dont tu as vu qu'il a telle situation et dans tel problème, pour qu'il soit délivré, n'est-ce pas? C'est pour ça que plus vous grandissez dans le ministère, vous atteignez une maturité. Cette maturité qui vous permet de savoir parler aux gens et de savoir aider les gens. Parce qu'on ne donne pas une révélation parce qu'on a mis le plat à quelqu'un. Moi, je rentre dans un village, je peux savoir où est un canari, où est un canari. S'ils sont mis sorciers, il les fait sortir.
Amen. Je peux te décrire ta vie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend le faire. David, ce dont tu as besoin, c'est de sortir de ta situation. Amen. Mais avant que tu sortes de la situation, tu dois prendre conscience de ce que tu as mené dans cette situation. Je suis pas bien saisi. Amen. 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 Tu n'as rien sorcier ici. Ah, vous aussi. L'année dernière, la vie sorcier qui a mangé sa fille, sa soeur. Quand il a commencé à prier, vous allez voir les manifestations de l'esprit. On a vu une femme. Toi, tu viens à Bengué. Tu viens tout associer. La femme, elle dort. Et tu prends ses tripes. Tu prends ses tripes. Tu manges chose gumbi. Les tripes de la femme, elle placali. Et le monsieur est venu me regarder. Prophète, il veut que tu me délivres. Quand il a jeté un coup d'œil dans mes yeux, il est tombé. Moi, je ne suis pas la sorcellerie. J'ai une onction terrible dans son domaine. Qu'un sorcier me frotte en même temps, il a terre. Amen. Amen. Il a terre parce que c'est la force que Dieu m'a donnée pour maintenir la sorcellerie. Alléluia. Amen. Comme je disais, il faut que tu te convertisses, frère. Il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Il faut que ce cœur-là soit Jésus. C'est un message très fort d'évangélisation. Nous commençons par ça. Il faut que ton cœur, tu es dans les difficultés, parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as tourné le dos à Dieu. Ouais. Il faut que tu reviennes à Dieu, c'est ça qu'on appelle la repentance. Et que tu cherches à demander pardon et à changer de chemin de vie et obéir à la voix de Dieu. On dit amen. Amen. Dieu encore peut te délivrer. Dis amen. Amen. Dieu encore peut te délivrer. Amen. Si tu veux. Amen. La délivrance, c'est une question de volonté. C'est pour ça que j'ai béni le Seigneur pour tout ce qui est déplacé aujourd'hui. Amen. Parce que la stratégie aujourd'hui qu'on a mis en place, c'est de vous recevoir en intimité pour vos délivrances. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait qu'on vous donne un message très fort d'évangélisation. Celui qui n'avait pas l'habitude d'aller à l'église, il répond le chemin de l'église. Amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit j'ai été frustré. Ils ont oublié de quitter l'église. Ils ont été frustrés. Ça a été tué. Mais c'est vrai. On ne peut rien. On ne peut pas rester. Ok. On ne peut pas rester à la maison. La maison ne peut rien nous apporter. Il faut reprendre le chemin de l'église. Nous sommes venus pour vous exhorter à répondre au chemin de Dieu. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment très important. Je vais brièvement toucher un peu comment se manifeste la sorcellerie. Alléluia. Amen. Vous savez que la sorcellerie existe? Amen. 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 J'ai attendu deux personnes dire amen. 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 J'ai attendu quatre personnes dire amen. Amen. Pas amen, c'est que le sens. Amen. 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 Sorcellerie. Je l'ai déjà plusieurs fois expliqué. La sorcellerie biblique, celui qui lance un sort. Ok. La définition, c'est un sort, c'est-à-dire c'est un mauvais. Le sort, il est mauvais, il n'est pas positif. Il est déjà négatif. C'est en français. Dans ma langue BT, quand on dit quelqu'un gougnon, il fait peur, on a peur de lui. Quand on dit gougnon, on a peur de lui. Ben parce que chez les Camerounais, il n'y a plus de poisson d'homme. C'est ça que tu dis. Emmenez-moi chez les Camerounais, s'il vous plaît. Envoyez-moi là-bas. Non, il n'y a pas des choses mauvaises. Emmenez-moi là-bas. Vos crânes bizarres, vous adorez. On va vous délivrer de ça.
En ma réglée, sorcellerie veut dire quoi, sorcier? Non, non, ça veut dire quoi, sorcier? Pas toi, oui. Je n'ai pas fait ça. Dans toutes les langues de la planète Terre, il y a un chinois ici. Qui comprend chinois? Il y a Banga, Souba, Souba, ouais, Souba. Chez nous, en Côte d'Ivoire, un peu l'Ouest, on dit Souba, Souba. Amen. Donc, quand vous entendez parler de sorcellerie dans vos patois, vous comprenez que c'est négatif. Ce n'est pas quelque chose de gentil et de propre. Donc si quelqu'un vous dit que lui il est sorcier, ou lui est bon, il ment. Ça a été négatif. Mais le sujet est resté tabou tout le temps. On n'en parle pas. Et ça fait des dégâts. Ça détruit autour de nous. Ça a été comme ça tout le temps. Amen. Amen. Sorcellerie, n'est-ce pas? C'est un sujet très intéressant à développer. Ça va nous permettre d'ouvrir les yeux, ça va nous ouvrir les yeux, ça va nous permettre de connaître, de savoir qui est celui qui est à côté de moi. Qui est? Pour savoir que tu marches. Amen. C'est celui qui te marche, qui peut te détruire. Amen. Ça, c'est une vérité. Je viens de constater dans ma région à Gagnoua, ça fait maintenant une semaine, moi je fais les revues de presse. La semaine dernière, on montrait que cette semaine, je crois, puisqu'on est le week-end, dans un maquis, quelqu'un sont les manger, sans les boire, on a empoisonné les gens. Ok. Non, ce n'est pas ce que vous avez vu. C'est la presse qui a relaté ça. Non, pas la dame. C'est la presse qui relate. Moi, je fais les revues de presse pour avoir les informations concernant mon pays. Ok. On empoisonne les gens. Mais écoutez, je vais vous expliquer encore quelque chose qui va encore vous choquer. Il y a deux semaines de cela, un jeune homme qui a quitté Yopougon, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Abidjan, et qui va à Plateau de Cuit, qui est non loin à Cocody, et qui part et qui prend un pilon. Qui en somme, sa soeur de 17 ans. Bah. Et la tue, de 14 ans. Bah, la tue, et qui disparaît. Amen. Il disparaît. Et après ça, il revient. Il revient de la maison. On lui demande. Il fait des aveux. Il dit, il fait partie d'une confrérie. Et c'est la sorcellerie. De la confrérie qui l'a poussé à tuer. Donc la police judiciaire nous dit, c'est pas normal, c'est quelle sorcellerie. Mais le personnage, vous l'entendez parler, il dit que c'est la sorcellerie. C'est pour dire qu'on habité par cet esprit, on ne fait que des vilaines choses. Écoutez très bien mon message. Demain encore, je vais développer. Qu'on habité par un esprit de la sorcellerie, on ne fait que des vilaines choses. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes habités par le Saint-Esprit. C'est caractérisé par l'amour. Aimer son prochain. On aime son prochain. On ne peut pas le torpiller. Moi, je ne me vois pas en train de torpiller mon prochain. Parler mal de mon prochain. Je n'ai pas ce temps. J'ai le dédié devant moi. J'ai beaucoup à faire. Amen. Mais qu'on a l'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit du mal. L'esprit du diable, c'est un démon qui te pousse à commettre des vilaines choses. On n'a pas besoin de te comprendre. Quand il ne prêche pas, quand il vient prendre le micro.
Moi j'aime bien les. Mais c'est pour que je vous enseigne. Amen. Donc on n'a pas besoin de te consulter pour te rendre sorcier. Tu veux être sorcier, ok. On te mettra pas dans la sorcellerie. Mais le monsieur te regarde et dit, mais lui, il faut qu'il te rende sorcier. Là, il commence à faire un travail de fond. La personne qui veut te rendre sorcier s'approche de toi et commence déjà à faire un travail spirituel. Autour de toi, commence déjà à te positionner dans les aliments, commence à te faire manger déjà des choses. Et la nuit, on te fait voyager. Le voyage astral. Et la nuit, tu pars. Et puis, on te fait asseoir quelque part. On te dit, tu es devenu sorcier. Ah, nous, on a bien saisi. Amen. Ça, c'est la plus grande étape. On dit, tu es sorcier. Ok? Tu es sorcier. Désormais, ton travail consistera à détruire, tuer et détruire la vie des gens. Ok? On te donne du sang à boire et la chair humaine à manger. Ah, vous ne savez pas tout ça? Ok. Donc, ça fait un pacte. Et le pacte, c'est un pacte de silence. On ne parle pas. On ne dit rien. C'est pour ça que toi, tu ne peux pas arracher un aveu à un sorcier. C'est pas possible. Qu'un sorcier te dise qu'il est sorcier. Je l'ai pris, il dit qu'il est sorcier, mais il ne dit rien. Il va te dire quoi? Parce que tu vas le délivrer. Ok. Donc, on dit, donne-nous quelqu'un qui est cher, qui t'est cher dans la famille. Donc, tu pars et tu prends quelqu'un qui doit aider comme un jésuite de la famille, qui fait sortir la famille des difficultés. Tu l'enterres. Tout le monde a tristé dans la famille. Tout le monde pleure. On fait une bonne sauce tomate. La chiquée. On dit, mange la tête. Tu es là. Ça dit. Tu manges ta tête. Tu tues ses oreilles. Ses longues oreilles. Tu tues son nez. Tu tues ses lèvres. Tu as le courage. Oui. J'ai intégré la sorcellerie. La confrérie. Ok. Ça, c'est la première étape. Ton rôle consiste à donner une personne par mois. Moi, qu'un pasteur parle pas de la sorcellerie, dans le mois, il n'enseigne pas ça. Comment vider les pièges de la sorcellerie? Moi, je vis dans le camp du diable. Mais on combat qui? Dans l'église, là, nous combattons qui? Mais c'est le diable, on combat. Le vrai visage de Dieu, c'est la sorcellerie. Il faut apprendre les gens à éviter les pieds du diable. C'est la sorcellerie. Donc, quand on est visite personne, on dit, ok, comme tu as donné, tu as intégré la grande confrérie, tu dois donner une personne par mois. Donc, désormais, par mois, tu donnes une personne. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Il y en a 12 mois de l'année. Quand tu remplis les 12 données, on te félicite. Tu passes aux étapes 2 de la confrérie. C'est ton nouveau de la famille. Parce que quand tu es sorcier pour ta famille. Les informations concernant ta famille, tu envoies ça. Si Jean doit te marier, tu as appris, tu gâtes. Ils ont toutes les informations sur vous. Vous vous cachez, vous changez les numéros, ils savent. C'est qui t'a dit à ton mari, il gâte. Le monsieur Mathieu se lève des gifles à Paris ici. En France, on ne fera pas femme là. Femme, le grand garçon dehors. Lui, le gars, mais tu le vois, tu sais que le gars est possédé. Et il y a des gens, ils sont possédés. Parce que tu reconnais que la relation, ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Écoutez, il faut atteindre un niveau spirituel. Vous devez avoir le discernement de comprendre que le monsieur, il n'était pas comme ça. Madame n'était pas comme ça. C'est de devenir comme ça. C'est qu'il y a un esprit. Ne prenez pas les choses dans la chair. Devenez des hommes spirituels. La Bible ne marche pas selon la chair. Vous n'êtes pas accomplir les désirs de la chair. Mais soyez des hommes d'esprit. Comprenez que désormais, ah, mon mari, mon fiancé, lui, n'est pas comme ça.
Si aujourd'hui c'est révolte, il ne veut plus entendre parler de mariage, c'est qu'il y a, oulala, il y a un esprit qui se révolte contre mon mariage. Fais-y les genoux. Il y a toujours la victoire, compris. Amen. Il y a toujours la victoire. Quand nous avons dit, fais-y les genoux. Tu veux te mettre dans le jeu à la lui, parce qu'on arrive la chose dans la chair. Il va te casser la mâchoire. Il est sous le contrôle d'un démon. Donc, l'esprit là consiste à détruire les choses. Donc il passe au 2. Le stade 2 consiste. Inter-village. Il intègre la confrérie. Inter-village. Il doit maintenant opérer inter-village. Travailler. Donc par semaine, il doit donner quelqu'un. Non, pas moi. Ah. C'est pour ça que nous, on est parti à l'ONU. On allait siéger, parler avec eux. On dit la pratique de la sorcellerie doit être déclarée comme crime contre l'humanité. La pratique en elle-même doit être déclarée comme crime contre l'humanité. Vous n'en parlez pas dans vos églises. Celui qui en parle, vous le prenez pour un possédé. C'est moi aujourd'hui des témoignages d'un féticheur crasso qui a délivré 8474 sorciers. Toi, tu as délivré quel sorcier? Tu en as délivré quel sorcier? Parce que délivrer un sorcier veut dire que tu as arrêté les cris dans une famille, dans un village, dans toute une région. C'est ce qu'on essaie de faire. Parce que c'est des mathématiques. Vous rendrez un jour compte à Dieu par rapport à tous ces blasphèmes que vous portez contre les véritables hommes de Dieu. Vous allez rendre compte un jour à Dieu. Tous ces blasphèmes que vous proférez contre les hommes de Dieu, vous rendrez un jour compte. Ça vous étonne aujourd'hui. Nous nous menons ce combat parce que nous avons compris qu'être sorcier, ça veut dire tuer. Comme un écrit. Donc il va au niveau 2. Donc il est sorcier inter-village. Avec les villages. Par semaine de Dieu, il remplit un an, il progresse, il devient responsable d'une confrérie interrégionale. On va bien saisir. Interrégionale. Ça, c'est par jour. Ah, ça vous paraît bizarre. Quelqu'un peut vous saluer, puis peut aller vous tuer. C'est quel continent où on n'éveille pas, on met son vent. Nous mangeons bio, pour que les gens d'ici. Quand on est bio là, c'est chez nous. Il n'y a plus de pollution ici que chez nous. Ici, quand un jeune meurt, c'est un scandale. Ici. Quand un jeune meurt ici en Europe, on n'accepte pas ça. Quand un jeune meurt aux États-Unis, on n'accepte pas. Mais chez nous, je suis au courant. Chaque semaine, c'est des jeunes qui meurent. On est amené à habitude à ça. Comment vous expliquez ça? Les gens finissent par accepter. Oh, il ne faut pas accepter. Il faut affronter et pour détruire cette œuvre. Et il y a ce qu'on appelle les cris spirituels. Donc la mort de certaines personnes reste des mystères. On t'introduit au bloc et puis on te tue. La sorcellerie est la base des catastrophes, des accidents. Je connais une sorcière. Je connais une sorcière. Elle, c'était sa spécialité, c'était de faire tomber les cars, les bus. Elle est là, à Abidjan, elle fait tomber les bus pour tuer les gens. Elle est responsable d'une confrérie. Donc, son père l'a emmené pour être délivré. Quand elle a commencé ses aveux, quand elle a commencé à démasquer toute sa confrérie, la nuit, ils ont tout fait pour m'attaquer. Maya a attaqué pour faire des brigades. Sur ça qu'il faut avoir une vie de prière. Ayant déjoué cette œuvre, ils sont allés attaquer là. Le centre.
ils ont envoûté, ils ont voulu envoûter le centre, ils ont mis la tête d'un chat, tout ça. C'est pour cela qu'un homme de Dieu qui dirige les gens doit avoir la vision. Amen. 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 Tu ne vois rien, moi je suis un camarade. Si ça te choque ce matin, Jésus dit, un aveugle. Et donc, moi, il ne voit pas, tu ne vois pas. On ne va pas tomber dans WC. Maman, on ne va pas tomber dans WC. C'est pour ça que les gens tombent dans WC. Le fidèle vient, tu ne sais même pas de quoi il souffre. Tu dis, n'a qu'à aller faire 3 jours de gêne. Or, ils sont en train de le braiser, le manger avec Akwesi. Akwesi, c'est banane. Qu'on appelle le poulet banane? Non, non, il y a un nom de banane là. Agnéné. Et piment, on braise le poisson pour manger. Pendant, et puis, quand tu causes, puis tu manges. Tu causes, tu manges, et tu vides le plat. Tu ne connais pas l'origine. Tu ne cherches même pas à dessiner le problème du fidèle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'église. Ils ne trouvent plus de solution à l'église. C'est quand il en parle, le pasteur. C'est au marché de gourou. Il ne peut pas délivrer, mais c'est au marché de gourou. Donc, on ne peut pas s'asseoir. Et quand le prophète Crasso délivre, ça dérange les gens. Parce qu'ils se voient dans ce que le prophète Crasso est en train de dire, les aveux. Moi-même, là, je peux prendre une semaine en train d'écouter. Parce que ça me défie moi-même. Ça m'aide. J'étudie ce qu'ils disent. Ah oui! Ça m'explique ce qu'ils disent. C'est une école. Faut pas vouloir aux gens qui regardent. Ça les instruit, ils comprennent, ils se retournent du coup dedans. Ah donc ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est en train de dire. Ah il est. En quoi je suis pétiche? J'ai délivré 8474 sorciers. Toi tu n'avais pas délivré un sorcier. De toi à moi, qui est pétiche? Moi je délivre, puis je deviens pasteur. Toi tu délivres même pas, tu as peur d'eux. Tu dis, il ne faut pas aller au village. Parce que Nien va le manger. Et ahí va le manger. Vous comprenez? Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous devons détruire les œuvres du diable. En réalité, frère, tu n'es pas nul dans la vie. Non! C'est la sorcellerie. Amen. Le père vient pas, il dit, mon fils qui est là, là, c'est qui lui? Je l'ai pris, je l'ai mis dans mon anus. Anus, mais c'est pas gentil, c'est pas joli. Et puis quelqu'un te met dedans. Tu vas devenir comment? Anus n'est pas gentil, c'est pas joli. Tu sens mauvais. Ça va petit. Tu as trop rire, le prophète. Tu dis, mais le monsieur, je l'ai mis quand il est dans ton anus. Pourquoi? Il dit, mais il est têtu. Et pourquoi tu peux le mettre dans l'anus? Dans le petit, c'est pas dans l'anus du vieux. Il faut une délivrance. Donc on a délivré et tombé. De l'anus du sorcier. Tu peux être là. Et puis ta bénédiction peut enfuir quelque part. Je suis allé déterrer le passeport de quelqu'un dans une tombe. Le sorcier dit, c'est mon mauvais. J'ai enterré son passeport parce qu'on l'a attrapé. Et on dit, le prophète, tu as le mandat du village de mettre tous les sorciers au pas. Je me suis habillé, demain vous aurez ma toge. Je suis dans ma toge rouge. Je vais vous saluer. Tu es sorcier, attends ici. Je vais m'habiller, attends ici. Je vais ma toge. Demain on a toge. Face à face. J'ai ma toge rouge. Vérité. C'est pas mystique. Le rouge, c'est le pouvoir de la vie. Le noir, je disais ça, je dit, les gens en noir, j'avais dit autorité. Le noir, ça s'impose.
Vous voyez la, le noir comme, comme un esprit de mort. Vous devez connaître les couleurs. Le gars n'a rien et c'est un usurpateur. Il y a des choses que l'on doit savoir. Amen. Amen. Moi, il m'a bien ma touche. J'ai été le premier prophète à m'habiller en tôle en 2008 à Bidjan. Tout le monde me suit après. Ils m'ont insulté, ils ont fait des débats télé. Vous avez dit quoi, il est quoi, il est donné quoi. Tout le monde me suit. Comme tout le monde aime tricher. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Ésaïe 63. Alléluia. Amen. Amen. Je pars dans la tombe, j'attrape le monsieur. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis la, le passeport de son fils. Allons-y. Moi, je ne suis pas le genre de sort. Les gens, quand tu dis de sortir, et puis je te laisse. Écoutez, quand Jésus est venu, il a demandé aux gens. Azaï est mort, on dit oui, il est mort. Et Jésus. Où l'avez-vous? C'est tout. Où l'avez-vous? On l'a droit pour dire, écoute, c'est pas une affaire de où l'avez-vous mis. Il sent? Déjà. Si on te montre là-bas, là, tu n'as pas supporté. Mais oui. Donc, on te dit déjà qu'il sent déjà. Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas ce qu'ils ont fait sur toi. C'est où ils t'ont mis. Où la sorcellerie t'a mis. Amen. On dit qu'ils l'ont mis à Zamaka dans un cadenas. J'ai dit aux gens, suivez-moi. Je vais aller prendre le cadenas. Je vais vous libérer au nom de Jésus. De ce Jésus dit où la haine, on dit mais ils sont déjà, c'est pas la peine. Jésus part au tombeau, là où ils ont mis Jésus. Lazare, il dit, ouvrez-moi, la, ôtez-moi la pierre. C'est ça. C'est déjà fait, frère. Ce qui devait être fait est déjà fait, c'est toi. C'est déjà fait. Personne d'autre ne pourra maintenant dire quoi que ce soit. Ce qui intéresse Jésus maintenant, c'est, ce qui, c'est là où il peut délivrer. Oh non, ça fait rien. Toi, tu as fait d'apparaître ici, aller délivrer les canaries des Indiens au village. Toi, tu peux le. Il y a des délivrants, tant que tu ne descends pas sur le terrain, rien ne peut se faire. Oh! Il a reçu le mandat de le faire. Amen. Amen. Où il a reçu le mandat? J'ai prié pour quelqu'un en 2009. J'ai prié pour quelqu'un, ils ont bloqué ses études. J'ai prié pour lui. Il a commencé, j'ai chassé ses démons. Les démons commençaient à se manifester. Je viens de venir sur le passeport. Hein. Les démons se manifestaient. On était à Abidjan. Le démon dit, et c'est quelque part. Il a dit le nom du village. C'est quelque part, ça, c'est à la côte. Kachola. C'est au nord là-bas. J'ai regardé. Ah. La côte de Kachola, tout ça. Ok. Non, moi j'aime bien. J'aime pas. J'aime elle sur le terrain. Comme ça parlait. Dis non, maintenant même, je suis prêt à le libérer. Il dit, ah, comme tu dis, tu es prêt à le libérer. Libère. Libérez! Libérez! Non! Ça, ça, et puis j'ai versé l'huile sur lui. Quand j'ai versé l'huile, le monsieur a poussé. Ah, il a fait comme s'il devait faire caca. Le stylo est tombé. Un stylo bic. Quand c'est tombé, c'est fini. Dans l'anus. Il a poussé. C'est tombé! Ah, il poussait le stylo. Or, c'est le stylo là. Ils ont bloqué. Le monsieur, il fait la liste. Il n'a pas master. Quand la nez a suivi, là, il a eu. Il travaille. Il descend. Je crois que le téléphone est déchargé. Non, est-ce qu'ils t'ont délivré là où tu as commis? Non. C'est ça? Ouais.
Et le Messie se trouve dans une tombe. On dit que le pasteur se trouve dans une tombe. Il devait aller en Angleterre pour faire la formation. Et le vieux a mis son passeport dans une tombe. Je dis, mais attends, c'est vrai faux, oui. Donc je le prends, on va là, au cimetière du village, à l'entrée du village. Écoutez, quand vous avez un cimetière à la rentrée du village, vous êtes mal barré. Non, je vous donne des révélations, c'est mon domaine. Si c'est au sorti du village, c'est bon. Si c'est à la rentrée, tout meurt. Tout ce que vous voyez meurt. Parce que c'est la porte d'entrée. Oh non, demain je vois l'occasion des secrets spirituels. Mais il y a des prières pour ça. Il y a des prières. Ça a des choses. Ça ne vous dit rien. Mais ça a un sens. Ils savent pourquoi ils font ça. Alors si vous voyez une intermédiaire, c'est une caméra. Vous voyez une intermédiaire, les gens disent, vous voyez tout, vous êtes superficiel. Écoutez, on est superficiel comment? Il y a des choses qui vivent chez nous. Chez nous, il y a des gens qui tirent, qui tirent ici, qui n'y rentrent pas. Il y a des gens chez eux, tu prends un machin, ça ne va pas les couper. Parce qu'ils ont ce pouvoir-là. L'effet n'ira pas chez eux. On a ce pouvoir, non? Écoutez, nous, on est prêts à vous montrer ce qui se passe chez nous. Pourquoi vous prenez des choses chez nous pour vous amener dans vos musées? Ça a un sens. On a une culture, on est la culture africaine et la culture occidentale. Vous connaissez pas quelque chose, apprenez, on va vous montrer. Je casse la tombe, j'ouvre le cercueil, sur les squelettes, je fais sortir un passeport. Eh non, moi, écoutez, moi, je n'ai pas peur de gnani gnani. Je suis arrivé à un stade où le diable ne me dit rien. Je prends le passeport. Par curiosité, je regarde. Neuf. Je prends le passeport. On appelle le neveu. Il vient. Le neveu vient. Avec un autre passeport. Mais là, on met deux fois refus de visa. Et pendant la causerie, on lui donne le passeport qu'on avait pris dans la tombe. On lui donne le passeport. Lui, le regarde, il tombe et lui crie. Ça fout quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis moi-même là, je ne peux même pas t'expliquer. Moi-même là, je ne peux pas te. C'est ce monsieur là qui peut t'expliquer. Donc il demande au monsieur, il regarde son passeport, identique, c'est la même chose. Ça veut dire que le sorcier a pris l'original et toi, le propriétaire, tu as la photocopie de ton passeport. Donc quand tu rentres au consul, on met non, refus de visa. Voilà pourquoi on aura plus. Je suis déjà dans une tombe. Frère, le monde spirituel existe. Il y a deux mondes qui sont de réalité. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Le monde physique dépend du monde spirituel. C'est ça que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel d'abord. Le ciel qui veut dire le monde spirituel. Si tu as le pouvoir du ciel, que le pouvoir de Jésus-Christ, tu possèdes le monde. Amen. Je regarde, le monsieur parle. Il dit, comment tu t'es arrangé? Comment ça peut se passer? Il dit, chez toi à la maison, j'ai pris le passeport. Il dit, mais c'est pas possible, je crois pas ce que tu t'es dit. Mais il dit, mais pourquoi tu as le passeport? Il dit, moi je t'ai dit quelque chose, tu vas peut-être te dépasser. Tu avais 500 000 francs. Il dit, mais je ne vois pas. Et il y a eu 100 000 francs qui a été pris dans les 500 000. Et tu as mis pour ça ton fils à la police judiciaire. Ah oui, et lui, c'est moi qui avais pris les 100 000 francs. Hein? Et c'est là qu'il a compris qu'il courait un grand danger. Il dit, mais prophète, il a commencé à pleurer. On s'avait dit que moi-même, je ne suis pas protégé. Il dit, mais vie, c'est la vie d'un homme sans Dieu. Si l'éternel lui garde une maison, ceux qui la gardent, c'est ton problème ça. Tu as tous les caméras au niveau du portail dans la chambre. Tu vois tout le monde au service. Tu vois l'oreille de quelqu'un, sa bouche, les narines. Mais toi-même, tu n'es pas protégé. Alléluia. Amen. Encore une autre histoire qui s'est passée.
dans la région de Soumé, on allait dans le village pour faire une évangélisation. Le monsieur, il s'est transformé en taximètre. Le monsieur, le fils a eu le passeport. Il a eu le visa en fait. Tout, il partait en Europe à 20h pour faire l'embarquement. 22h, il va le décollage, tout ça. 22h, bah, le vol en l'air. Et le monsieur, 20h, 19h, le monsieur, son, il voit un taxi qui gare, il arrête le taxi. Sur le chemin de l'aéroport, 500 mètres après, le monsieur gare pour dire, ben ah, je suis en panne. Il faut que tu pousses un peu, je suis en panne. Il sort. Vous connaissez quelqu'un qui peut venir à Paris? Hein? Tu as connu ton première fois à Paris. Tous les commissions de Placali. Bolo. Abouti. Tu imagines. Tu as ça. Toi-même, la costume, là, ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Tu es un Parisien déjà. Tu rêves, tu vois déjà Charles de Gaulle. Hey, Dieu. C'est là qu'ils vont le montrer qu'il y a monsieur d'aubergine. Sorcier. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Ceux-là, ils sont forts. Ils sont forts. J'allais prendre un sorcier dans un village. Il est ici. Il est bien. Mais puis ils se sont mélangés. Et puis il y a eu le ciel. J'ai donné deux paroles prophétiques. Et seul le prendre, il dit, moi, mais j'ai rentré, je suis sorcier. Puis il est cité sur toi, ça t'a pas pris. Et je suis obligé de confesser. Sorcier, vous voyez là, il a un pouvoir. Sur la puissance de Dieu, les maîtrise. Amen. Et il pousse la voiture de taxi. Destination inconnue. Dans la nature. Il regarde. S'il faut pleurer, faut faire funérailles. Pour sauter, il est là. Souvent, tu vois, tu penses que c'est rêve. Oh, c'est vrai, vrai, vrai. Et il m'a dit, tu as vu ce qu'on souffre, on gêne pour ça, je viens de prier. Tu gênes quand tu mets os. Bizarre. Bizarre, c'est quelque chose, hein. Et les gens nous fatiguent. Ils sont les qui tu gênes. Et Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. Il a eu son visa. Il est parti. La voiture. Une semaine, deux semaines, Interpol. On lui dit à Abidjan, monsieur, c'est à cause de Paris, on t'a laissé à la maison ici. Vous connaissez les gens de Yopougon sur Gojou. Ah là, là-bas, on s'amuse pas. On dit. C'est à cause de Paris, on te donnait un plat. C'est vrai, quand tu vas partir, tu vas envoyer un héros à manger. Pour notre village. Elle est parti. Et quand je suis rentré là-bas, pour attaquer la sorcellerie, le vieux a commencé à parler. Il nous avait sorti son passeport. C'est Gribou. Je dirais par Sipexi. Ottawa, dans la brousse, ça va si baisse. Le témoignage est actuellement dans ce village. Et moi, j'ai dit, mais mon Dieu, pourquoi on ne combat pas la sorcellerie? Parce que tu en vis. Eux, depuis le village, ils traitent ton problème. Ils ont ton argent là-bas, ils ont ton. Et puis les gens disent, mais pourquoi vous accusez les parents? On ne les accuse pas, c'est comme ça ils sont. Pourquoi aujourd'hui vous êtes rempli dans la salle? Parce que vous reconnaissez dans le message. Vous le savez que c'est une vérité. Je suis chanté de dire. Vous le savez. C'est pas de l'amusement. Moi, je ne croyais pas à ça. Jusqu'à ce que je sois attaqué moi-même et que Christ me délivre. Je partage mon expérience. Dieu peut te délivrer ce soir. Est-ce qu'on peut te tenir debout? Nous allons tous nous tenir debout et nous allons commencer à prier. C'est vraiment très important. Nous allons commencer à prier. J'aimerais que le clavier, on va essayer de chanter un peu. On va commencer à prier. J'aimerais qu'on lève tous les mains. Nous allons commencer à prier.
Nous allons commencer à prier. Chacun d'entre nous va commencer à parler à Dieu. Tu vas commencer à parler à Dieu. Il faut qu'il te délivre ce soir. Ce matin, tu as besoin d'un miracle de sa part. Tu as besoin d'un miracle de sa part. Dieu, il faut que tu délivres. Il faut qu'il te délivre cette nuit. La puissance de Dieu te délivrera cette nuit. C'est possible. Dis à quelqu'un, c'est possible. Dis à quelqu'un, c'est possible. Dis à quelqu'un, c'est possible. Nous allons commencer à prier. Tu vas juste lever la main. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Il te faut un miracle cette nuit. Il te faut un miracle cette nuit. Il te faut un miracle cette nuit. Quelque chose va se produire. La sorcellerie doit te lâcher. Le sida qui t'envoyait l'exprimant doit partir. Et Dieu doit avoir raison sur toi. La puissance de Dieu sera l'heure. C'est lui dans ta vie. Et Jésus-Christ est le Seigneur dans ta vie. Nous allons tous lever la main pour prier. Et demander de dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que tu nous visites cette nuit. Je vais t'entendre prier, s'il te plaît. Je vais t'entendre prier, s'il te plaît. Je vais t'entendre prier. Je veux que tu dises quelque chose. Je veux que tu dises quelque chose. Pas. Que ça soit en douleur, que ça soit en français, que ça soit en langue camerounaise, que ça soit dans une langue. Oui, parle et demande à Dieu de faire quelque chose pour toi cette nuit. Dieu est capable encore de te délivrer. Il est encore capable de te restaurer cette nuit. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable encore de te délivrer cette nuit. Il peut encore te restaurer. Oh,
Come on.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
abandonner la vie? Qui es-tu pour abandonner la vie? Qui es-tu pour abandonner la vie? Quand tu m'as abandonné la vie, qui es-tu pour abandonner la vie? Je n'ai plus sur cette terre. Tu m'as abandonné ma santé, ma vie. Je n'ai plus sur cette terre. C'est toi qui m'as tué. C'est toi. C'est toi qui as fait de moi une femme de rien. Moi qui veux servir le Seigneur. Tu m'empêches d'aller de l'avant. Tu m'empêches d'aller de l'avant. Seigneur, viens m'en mon aide, Seigneur. Viens me délivrer, Seigneur.
Dieu est à l'œuvre. Amen. Levez simplement la main. Il est pratiquement, je crois, 5 heures, c'est ça? Alléluia. Nous avons encore une rencontre très importante ce matin, aujourd'hui, à partir de 15h jusqu'à 10h. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour qu'en privé, qu'on se rende compte que beaucoup de choses soient faites. Vous comprenez? Parce que ce dont tu as besoin, c'est de rencontrer Dieu. Et pour que Dieu change ta situation de vie. Et quand on rencontre Dieu, il change. Dieu, c'est pas un Dieu de spectacle. Dieu, c'est un Dieu de transformation. Quand on le rencontre, il nous amène à la conversion en changeant notre cœur et il nous décharge de toute situation, de maladie, de nos difficultés, à commencer à changer notre cœur. Alléluia. C'est pour ça que je crois que ton miracle sera fait. Amen. Je préfère vous rencontrer en privé, vous dire ce que j'ai besoin de dire de la part de Dieu. Voilà, parce que depuis un moment, c'est comme ça que je voulais dans mon ministère. Amen. Voilà, c'est comme ça que je voulais dans mon ministère. Et demain, nous allons nous atteler là-dessus aujourd'hui, puisque déjà il fait matin. Nous allons nous atteler là-dessus. Je serai là de 15h. D'abord, nous pourrons commencer à partir de 15h. Soyez rassurés que ça, si ça commence, une heure après, j'arrive. Je vais m'installer. Je vais vous donner une exhortation de 30 minutes sur les entretiens prophétiques. Et nous allons démarrer, commencer jusqu'à la dernière personne. Amen. Soyez rassurés que demain, si nous démarrons par la première personne, nous finirons par la dernière personne. On risque même de quitter ici au petit matin. Et cette histoire de 15 minutes, on peut dépasser les 15 minutes. Voilà, c'est pas une question de 15 minutes, c'est pas la hâte. On va t'écouter, il y aura un privé. On va prendre le temps de vous s'occuper de vous. Je pense que vous avez très bien compris, j'ai envoyé des cellules de parrainage. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin d'une Afrique qui se réveille. On a besoin d'une Afrique des enfants, des gens éduqués. Et vous savez que c'est bien l'école qui éduque les gens, c'est l'école. Et si nous ne nous investissons pas dans les enfants africains, il sera difficile de voir une relève africaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, j'ai mis une fondation sur pied, la fondation prophète Joël Crasso, Espoir de vie. Et cette fondation aujourd'hui s'occupe de 1000 enfants. Un CD, c'est vrai que les CD, c'est peut-être 15 euros, 20 euros peut-être. Moi, j'avais l'habitude de vendre mes CD à 20 euros quand je venais. Ça, c'était les CD du prophète Crasso. C'est vrai que c'est également c'est les CD du prophète Crasso qui me donne un CD. Mais le CD comporte les prières prophétiques. C'est un CD où... Laissez faire. Amen. Dis à quelqu'un, laisse faire. Laisse faire. Amen. Voilà, laisse faire. Laissez. Donc, un CD. Ce CD-là, il y a même temps les prières prophétiques. Il y avait acte 1 qui était déjà sorti. On en a fait acte 2 qui fait 15 minutes. C'est un CD de prière de combat. Tu peux même apprendre ces prières sur le CD. C'est un CD que je peux jouer dans... Vous savez, nous en tant que prophètes, tout notre truc, c'est action prophétique. Voilà, donc j'aurai l'occasion d'expliquer ça un peu demain. C'est un CD que je vais l'acheter. Et en même temps, c'est mon tout dernier, c'est mon album de confirmation. C'est mon 7e album. Et sur ce CD, il y a acte 1, acte 2, prière prophétique. Et il y a 8 morceaux. Amen. Voilà, donc, j'ai décidé, au travers des supports CD, d'aider les enfants orphelins. J'ai dû me dépouiller. J'ai dû vider tout mon compte bancaire. J'ai dû vendre ma venture pour, n'est-ce pas, construire l'orphelinat. Ça nous a pris les millions que ça allait nous prendre. Et au grand jour, on a montré ça aux gens. Je tenais à dire aussi merci à Honorine Osso depuis les États-Unis. Merci à des personnes ici présentes, que je n'ai pas le nom, mais qu'est-ce qui se reconnaît, qui ont au moins quand même contribué, qui nous ont donné quand même quelque chose par rapport au soutien concernant l'orphelinat. À d'autres personnes disent que c'est cher, c'est vrai. Mais quand il est fait des moissons à l'église, dans nos différentes églises, souvent la Bible qu'on achète à 3000 francs devient 1 million. Parce que c'est, en fait, la Bible vend aux enchères. Parce qu'on a un objectif à atteindre. Le problème des difficultés que nous rencontrons au niveau de la fondation, nous avons fait ce que nous pouvons. Vous connaissez très bien en Afrique. On n'a pas fini, j'ai changé de prier. Quand on vous explique les choses, écoutez, ça fait partie du programme. Ce qui change de dit n'est pas en dehors de ce du programme qu'ils sont en train de faire. Ne pensez pas que c'est de vous seulement qu'on doit s'occuper, que vous n'êtes pas capable d'aider d'autres personnes. Et c'est vraiment très dangereux. Voilà, donc j'ai tenté de dire, ce CD-là,
Ça va nous permettre d'aider des enfants en difficulté, des enfants orphelins. Nous avons conçu un orphelinat. Nous avons une difficulté aujourd'hui. Vous savez qu'il y a les enlèvements des enfants en Afrique pour les crimes rituels. Et ça, c'est partout en Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas de cas. Nous sommes confrontés à ça. Les enfants fréquentent, mais se déplacent en taxi, qu'on appelle communément Roro de Divo. C'est très dangereux pour les enfants. Nous avons besoin d'un mini-car. On a besoin d'un car de transport. Il va prendre les enfants depuis l'orphelinat jusqu'à l'école. Le prendre aussi pour aller, n'est-ce pas, dans les différents lois de l'Oasis, tels que le zoo d'Abidjan et tout ça. Si vous voulez, par trimestre, l'orphelinat doit en principe dépasser plus de 3 millions de francs. Vous comprenez? Donc, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin d'aide. C'est vrai que c'est coûteux peut-être, mais c'est rien pour une vie. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont même pas mangé. Il y a des enfants qui meurent. Il y a des enfants qu'on a trouvés au stade zéro, qui sont sur le point de mourir, qu'on a récupérés, qu'on essaie d'aider, leur donner espoir de vie à l'enfant, soigner, donner à manger. Aujourd'hui, les enfants sont là. Et on a besoin de votre aide pour que ces enfants puissent se porter en bonne santé, pour qu'ils doivent demain droit à l'école, pour une Afrique qui gagne. Amen. Vous savez, quand vous pensez à d'autres personnes, Dieu s'occupe de vous. C'est cela que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les enfants sont innocents. Aider un enfant c'est un don de Dieu. J'aimerais que chacun d'entre vous fasse parler à son cœur. Jésus-Christ, ce qui l'a poussé à la croix, c'est l'amour. Et il a donné le maximum de lui-même. C'est-à-dire tout ce qu'il avait, son être. Et c'est cela qu'il est allé à la croix. Ce que tu as aujourd'hui, peut-être que ça peut être son 50 euros. Un CD acheté te permettra de voir un petit Yao qu'on a évolué. On te dira que Marguerite a donné simplement 70 euros. Ça a servi à la rentrée scolaire de scolariser Yao. Je le vois aujourd'hui. On aura l'occasion de prendre vos noms. Par mail, vous envoyez les enfants que vous allez parrainer. Et ça, c'est important de vous voir en train de vous occuper des enfants en difficulté. Amen. Donc, les CD sont là. Amen. Juste après la prière, vous pouvez venir. Amen. Comme le programme est immense, alléluia, tout à l'heure j'aurai l'occasion de prier et moi je vais rentrer à mon hôtel, amen, parce que je sais ce que j'ai besoin de te rencontrer, de te délivrer. Quand on sera corps à corps, je mate ce qui est devant moi, je mate ce qui est devant moi, amen. Je crois que Dieu fera beaucoup de choses pour vous. Nous levons tous les mains, la soeur s'occupe de ça après, voilà, donc la puissance de Jésus-Christ vous délivre ce soir. Jésus, tu es Seigneur, tu es puissant, tu n'as pas changé, souverain que tu es. Merci de guérir ces personnes, merci de les guérir, Stéphane, merci de les restaurer, merci de ton miracle que tu apportes encore dans sa vie. Recevez le miracle de Dieu. Tu avais le cancer, Dieu te guérit de ce cancer. Pendant que je parle, le cancer disparaît de ta vie. Tu avais un problème d'insuffisance rénale. Pendant que je parle, la puissance de Dieu te touche là où tu es. Et dans le nom de Jésus, reçois ton miracle. Il y avait une boule dans ton ventre. Aujourd'hui, cette fibrome, seulement, a donné à cette maladie. Mais la puissance de Dieu vient te guérir de ton mal. Reçois le miracle de Jésus-Christ. Tes papiers étaient bloqués. On n'arrivait pas, n'est-ce pas, à décanter cette situation. Mais la main de Dieu vient maintenant te libérer. Reçois le miracle de Jésus-Christ. Pendant que je parle, le miracle de Dieu s'attache à toi. Les chaînes de la sorcellerie sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te restaure. La puissance de Dieu te délivre cette nuit. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Que je prie, on dit amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais donner la place aux services qui vont s'occuper de vous permettre de parrainer. Moi, je vais rentrer dans le temps, de m'apprêter pour être là demain pour qu'on puisse se prendre. J'aimerais que tout le monde puisse vraiment s'inscrire pour qu'on puisse se prendre one by one pour qu'on puisse pousser le programme. Voilà, shalom, que Dieu bénisse. Amen.